va commencer. C'est le moment où vous montrez que vous êtes un parti discipliné, convivial. Voilà. Et chauvin. Alors, bienvenue à cette 38e édition des Journées d'été. Il est vrai que l'année dernière, nous nous étions quittés en nous donnant rendez-vous à Lyon. Et il ne vous échappera pas que nous sommes à Grenoble. On va vous raconter, on a toujours été transparents entre nous, on a cherché des lieux. Il y avait un congrès de médecins au Palais des Congrès où nous avions fondé Europe Écologie Les Verts en 2010. La faculté ne pouvait pas nous accueillir cette année, mais est disponible l'année prochaine. Et donc, la région ELV Rhône-Alpes, qui était très contente de nous accueillir, nous a demandé de chercher une autre ville écologiste à la taille suffisante pour nous accueillir en Rhône-Alpes. Donc, nous avons cherché, nous avons pris une carte de Rhône-Alpes. Nous avons cherché les villes écologistes et on a vu Grenoble. Mais là, l'équipe m'a dit, rappelle-toi, Éric Piolle nous a déjà dit non plusieurs fois. En 2014, en 2015, en 2016. Et donc, Olivier Bertrand, membre du bureau exécutif et élu grenoblois, a dit, laissez tomber, je m'en occupe avec le groupe local, on lui dira après. Et donc, nous voilà dans la capitale verte européenne.
quelques semaines avant. Dans une plénière consacrée à nos partenaires de gauche, au combat que nous avons à mener à la rentrée. Nous parlerons aussi de l'Europe. Évidemment que l'Europe, c'est important pour nous. Évidemment que nous sommes fédéralistes. Et évidemment que nous y consacrerons la plénière de vendredi soir. On parlera aussi de la France qui a changé et du climat aussi qui continue de changer. Je sais, il y a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et donc, on en parlera en plénière de clôture avec quelques surprises. Gaëlle Giraud notamment, qui sera en visio de New York car Julien Bayou a interdit les jets privés. Nous en parlera également avec Alizée, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, elle s'était enchaînée à un filet à Roland-Garros pour alerter sur le péril climatique, et elle a fait 40 heures de garde à vue, là où des entrepreneurs, des acteurs économiques, des acteurs non environnementaux, des acteurs politiques climaticides, eux, restent dans l'impunité et ne sont jamais inquiétés. Nous l'accueillerons ainsi que Sacha qui avait interrompu le Tour de France. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont notre avenir aussi de l'écologie et je vous demanderai de leur faire le plus bel accueil samedi soir. Et puis Emmanuel Macron non plus n'a pas changé. Alors lui, il make our planet great again du haut son jet ski. C'est quand même très très audacieux. Et comme nous sommes dans l'amphithéâtre Simone Veil, elle disait « La politique m'apparaît comme une sinistre. La politique m'apparaît comme une sinistre rigolade. » Je pense qu'avec Macron, on comprend pourquoi. Il protège la biodiversité en augmentant de 23 000% les subventions aux chasseurs. Le glyphosate n'est toujours pas interdit. La France est toujours condamnée pour une action climatique et pour non-respect des seuils réglementaires sur la qualité de l'air. Et le pouvoir d'achat est un prétexte pour relancer, évidemment, des entreprises et des industries climaticides. Mais il y a une lueur d'espoir. Car oui, chers amis, je vous le dis, Emmanuel Macron a compris. Vous l'avez entendu hier. La fin de l'abondance, la fin de l'évidence, la fin de l'insouciance. Et je voulais vous féliciter de ça, parce que ça ne fait aucun doute. C'est à la lecture de toutes nos tribunes des derniers jours qu'il a compris l'imminence de l'effondrement. Et donc, merci à vous de continuer à écrire, de continuer à publier, car il lit la presse, il lit les journaux, et plus nous parlerons d'écologie, plus il lira et plus il comprendra. Ça a provoqué chez lui un déclic, tous nos textes. Soyez fiers de vous. Mais soyez quand même un petit peu inquiets. Parce que je le connais, même si ça lui en bouge une, non, ça lui en touche une, sans bouger l'autre, ne pas confondre, le danger qu'il semble découvrir est quand même lié à beaucoup d'intérêts qu'il protège depuis le début de son mandat. Et ça risque, maintenant qu'il est devenu éco-anxieux, de le faire se sentir très mal à l'aise avec eux. Comment va-t-il réagir? Replonger dans le déni? Prolonger son inertie? Il faut l'aider. Alors pour ça, à la rentrée, nous serons de toutes les luttes, en hémicycle, grâce à nos collègues parlementaires, dans la rue, dans les grands mouvements sociaux qui s'annoncent. Nous serons là, Emmanuel, pour t'aider avec ton éco-anxiété. On va terminer par un sujet qui est difficile. Vous vous rappelez que l'année dernière, on avait ouvert les journées d'été avec Reza Jeffari, qui est un collègue écologiste d'Île-de-France, qui est afghan et qui était traducteur français à Kaboul, qui nous avait fait un discours très émouvant à l'occasion de la chute de Kaboul. C'était il y a déjà un an. Il interviendra d'ailleurs aussi en plénière de clôture pour nous donner des nouvelles des amis qui nous avaient présentés pendant cette plénière. Mais aujourd'hui, c'est Vitali Kononov, président du Parti vert ukrainien, qui nous fait l'honneur d'être présent. Alors, je vais prendre le micro.
En tout cas, Vitaly ne parle évidemment pas français, il ne parle pas anglais. Donc, on a répété une traduction. Il est en voyage depuis 4 jours pour nous rejoindre. Donc, on va vous demander de l'attention et on va faire au mieux pour que ce soit compréhensible. Merci, Vitaly. C'est à toi. Et donc le traducteur s'appelle Vitaly également, il vient d'arriver, on peut le remercier. Bonjour cher ami, l'écologie de France. Насамперед, дозвольте мені подякувати за те, що ви нас запросили, бо для нас це не тільки велика приємність і честь, для нас це психоемоціональна розрядка від бомб, від звуків повітряної тривоги і від тривожних інформацій з фронтів. Un grand remerciement pour m'avoir invité à ce forum. Pour nous, dans ces conditions, l'arrivée dans ce type de forum est un élément de thérapie psycho-émotionnelle pour oublier les bombes, les choses qui se passent en ce moment à Ukraine, les missiles qui atterrissent. Через вас я хотів би подякувати всім французам, всім європейцям за ту допомогу, яка надається нашій країні, насамперед жінкам і дітям, які можуть сьогодні тут у вас перебувати. І те, що ми сьогодні робимо, ми дуже цінуємо. Un grand merci pour le soutien qui vient pour l'Ukraine de la part de France et vous témoignez du soutien important qui est adressé au peuple. Nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes ces actions qui ont été faites et qui sont en train d'être faites. Вже півроку ми воюємо з ядерною державою. Pendant plus de 6 mois, nous sommes en guerre contre une puissance nucléaire. Et ce n'est pas une guerre Ukraine et Russie. Il ne s'agit pas d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et ce n'est pas une guerre Russie et l'Europe. Il ne s'agit pas de la guerre entre la Russie et l'Europe. C'est une guerre entre le passé et l'avenir. C'est la guerre entre le passé et l'avenir. Все це почалось, коли українці спробували добувати сланцевий газ на Донбасі і в Криму. Великий енергетик світу Путін тут же розпочав військові дії, тому що він знає, що для нього важливо зберегти ту залежність світу від його енергетичних ресурсів. La guerre a commencé en 2013 lorsque l'Ukraine a commencé à exploiter le gaz de schiste dans le Crimée et dans le Donbass. En ce qui concerne Poutine, pour lui, il ne s'agit pas d'une simple opération, il s'agit de guerre qui utilise tous les moyens, y compris les éléments qui sont dans l'indépendance énergétique et il essaye d'attacher à sa nation d'autres pays qui sont de ce fait dépendants de l'énergie, de gaz et des moyens qui proviennent de la Russie. La Russie a uzalejnil весь світ, вірніше більшу частину Європи від своїх енергетичних ресурсів. І звичайно, для них те, що роблять зелені, те, що роблять екологісти європейські, це для них смерть. Nous voyons que la majorité des pays européens sont dépendants des énergies russes. Et ce qui est en train de se passer, c'est la guerre sur plusieurs fronts et la dépendance de ce fait à une puissance qui a mené l'invasion et s'est produite, et on le voit sous nos yeux. Nous devons être conscients de ce que notre idéologie заважає старому світу панувати. Nous devons nous rendre compte que notre idéologie
menacent le monde à l'ancienne dans leur façon de gouverner. Vous savez, après que le Soviet Union s'est effondré, et qu'il dirigeait l'idéologie communiste, il y a une structure qui s'appelle KGB. Тобто вони планують бути світовим панівним панівною країною. І вони захопили владу 20 років тому в Росії. Lorsque la pouvoir en Russie a fait un changement de régime il y a 20 ans, il s'avère que le nouveau dictateur qui est en ce moment côté Russie est l'ingénieur en chef mondial de l'électricité. Et nous voyons les impacts de ces éléments-là sur le combat qui est en train d'être mené sur plusieurs fronts, y compris le front écologique. Так, саме світове панування, тому що, якщо пам'ятаєте герб Радянського Союзу, там був світ і тінь серпа і молота. Зараз... Si vous vous souvenez de l'herbe, de l'icône du drapeau, du RSS, il y a les éléments qui montrent ce attachement du régime, l'herbe est marquée, et c'est effectivement la question de dominance mondiale qui avait tenté d'être jouée. Et la situation aujourd'hui est страшніша à tout, parce que nous vous souvenons beaucoup de films, beaucoup de romans sur comment un terroriste a acheté une arme nucléaire. Так от в Росії ядерну зброю закупив терорист способом виборів. Nous nous souvenons des différents événements terroristes qui ont eu lieu par le passé dans le monde. L'événement qui a eu lieu en Russie, c'est aussi en quelque sorte ce type terroriste qui est venu au pouvoir. Il emploie les méthodes qui sont proches des méthodes des terroristes. Il utilise tous les moyens de police secrète, ancien KGB. Il essaie d'acheter les gens qui votent. Il fait le chantage. Et factiquement, il veut gérer le monde. Par ces moyens, il souhaite dominer le monde et diriger le monde. C'est un grand danger, c'est pour cela que l'Ukraine est en guerre. Мені особисто дуже важко це говорити, тому що я був керівником фракції в парламенті України, коли приймали рішення про звільнення від ядерної зброї, другого арсеналу в світі. C'est particulièrement difficile de vous partager mes émotions, car dans mon passé, j'ai participé à un certain nombre de décisions qui ont été prises en Ukraine dans les années de présidence encore de l'époque de Kouchma, donc le deuxième président de l'Ukraine indépendante. C'est ma personnelle tragédie, parce que d'un côté, je suis convaincu що я поступав правильно, а з другої сторони, коли я бачу Бучу, коли бачу вбивства, гвалтування, коли я бачу зруйновані українські міста, я не зовсім впевнений. À l'époque, j'étais le partisan de désarmement nucléaire de l'Ukraine et j'ai persuadé l'ancien président de cette démarche à mener. Sans doute, c'est une démarche qui était importante de point de vue personnel, de point de vue mon implication dans les engagements écologiques, mais maintenant je me rends compte que d'un point de vue de citoyen et tout ce que nous sommes en train de vivre, ça remet vraiment en cause les choses qui ont été faites, qui ont été menées. Так, ті проблеми, які зараз перед нами стоять, декарбонізація, зміни клімату, ми повинні боротися з цим, але в Україні ми зараз боремось за інше, ми боремось за виживання. Et bien sûr, les combats essentiels, les combats pour mener décarbonisation sont primordiales,
Mais en ce moment, sur le sol ukrainien, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent. Et la priorité, c'est de mener ce combat pour le pays. Коли я збирався сюди у військовому госпіталі, я відвідав нашого з вами колегу по імені Микола, який військовий постраждав від фосфорної бомби. І він передавав вам привіт і сказав, якщо тільки ми покінчимо з агресією, зразу почне боротись з декарбонізацією. Je viens il y a quelques jours de visiter un militant écologiste dans un hôpital militaire ukrainien. Donc ce militant qui s'appelle Leonid a été touché par une bombe et vit des moments difficiles en ce moment. Mais il vous passe bonjour et il a indiqué que dès que la guerre sera terminée, il reviendra rapidement sur les combats écologistes. Тому не сумнівайтесь, в нас за наші ідеї, за наше майбутнє сьогодні воюють українські зелені, і ми будемо їм вдячними за те, що ми можемо мирно сьогодні говорити про інші речі. Ne vous inquiétez pas, nos amis écologistes sont en combat en Ukraine, ceux qui sont mobilisés dans l'armée là-bas, et vous soyez rassurés, ils font tout leur possible avec les moyens qu'ils ont pour mener ce combat jusqu'au bout. Дякую вам і дуже дякую за те, що ще раз прийняли нас тут і за увагу, що ви мене уважно слухали. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez confié. Merci pour nous avoir reçus ici. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Vitaly. Merci aussi aux deux collègues qui l'ont accompagné dans ce long voyage. Et donc, la transition est toujours délicate, mais on vous propose d'accueillir Julien Bayou, Cyrielle Chatelain, coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée, qui vont venir avec moi quand même appeler les collègues. Merci, bonjour tout le monde. Merci Marine Tondelier et toute l'équipe pour l'organisation de ces journées d'été. Et merci à nouveau Vitaly pour cet immense témoignage. Et je sais, tu as dit que le voyage avait été éprouvant et que venir avec nous, nous retrouver, était aussi un moment, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais psychologique important pour aussi couper avec l'horreur de la guerre. Vitaly reste avec nous ces quelques jours. Et s'il y a parmi vous des militants isérois, iséroises qui veulent lui faire découvrir la beauté des montagnes, je crois qu'il est très preneur. Donc n'hésitez pas à venir nous le dire en aparté. Sans transition absolument aucune, vous savez que moi je suis dans une situation un petit peu particulière, rassurez-vous, elle est temporaire, secrétaire national et coprésident du groupe. Je répondrai ce soir plus longuement sur les questions d'abondance, d'insouciance, d'évidence, d'inconscience et certainement de croissance. Je pense que c'était dans l'impensée d'Emmanuel Macron. Évidemment, nous répondons par la conscience, la prévoyance, la tempérance, la persévérance. Mais là, c'est avec grande fierté qu'avec Cyrielle Chatelain, coprésidente du groupe écologiste, grande fierté que nous ouvrons donc cette plénière, grande fierté que nous aurons cette plénière en tant que coprésident et présidente, et on va faire ça évidemment à deux voix, de la même manière que nous avons répondu à la première ministre sur sa déclaration de politique générale. Il n'y avait pas grand-chose dedans, mais on a répondu quand même. Grande fierté aussi parce que nous avons mis sur pied la NUPES. C'est une grande fierté, c'est une réussite grâce à cet accord électoral au départ. Le plus grand groupe écologiste de l'Assemblée, mais également deux fois plus de députés de gauche que nous aurions pu avoir, par exemple, en 2017. C'est un accord d'appareil au départ. Il a été rendu possible, ça a été dit, mais je tiens à le remercier, à le saluer également par le fait que des candidats et des candidates se sont écartés pour rendre cette victoire possible. C'est les mots de Pierre Benassaya qui disait, en s'écartant pour, je crois que c'était Bastien Lachaud dans le 93, loin de considérer ça comme une défaite individuelle, je considère ça comme le début d'une victoire collective. Cette victoire, nous l'avons menée au bout avec ces quatre groupes à l'Assemblée qui pèsent désormais pour arracher des victoires. Et fierté, enfin, parce que vous allez découvrir ces 23 députés, des individus. Nous voulons en faire un collectif, comptez sur nous. Et nous comptons sur vous en vrai. Des députés, ça pèse pour écrire la loi, mais pas que. Et donc, interpellez-nous, mobilisez-nous, associez-nous à vos luttes, invitez-nous et nous viendrons évidemment écrire, interpeller, militer, désobéir aussi, parce que c'est comme ça, dans l'institution, qu'on milite et qu'on va dans l'institution et que dans l'institution, on milite. On compte sur vous, secouez-nous. Peut-être déjà, est-ce que tous nos collègues députés pourraient venir, qu'on vous applaudisse à la hauteur de ce que vous représentez. Venez tous, le groupe écologiste, 23 députés, le plus gros groupe. C'est voilà. Je me mets entre deux vertes. Ah, mais c'est important, le plus gros groupe de l'histoire de l'Assemblée, de l'histoire de l'écologie politique, le plus gros groupe parlementaire. Bravo, et moi je voulais vous dire, là c'est 13 femmes, 10 hommes, ce groupe, qui sait, c'est déjà c'est 7 régions, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, le Grand Est, le Saint-Val-de-Loire, l'Occitanie, mais aussi les Français qui ont fait le choix de vivre hors de France, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, au Burkina Faso. Oui, aujourd'hui, je vous l'ai dit, toutes et tous, ils représentent un bout de la France. Toutes et tous, on représente ces grandes villes. Pense à, ben forcément à Marie-Charlotte Garin, Sandrine Rousseau, Sandra Régol, Eva Sass, Christina Rigui, Julien Bayou, Hubert-Julien Laferrière, Charles Fournier, Nicolas Thierry, aujourd'hui représentent nos grandes villes. Mais on représente aussi ces quartiers périurbains, Benjamin Lucas, Francesca Pasquini, Sabrina Sebaï, Aurélien Taché, Sophie Taillé-Polian, Lisa Bellucco, Julie Laernous et moi, aujourd'hui, ce sont les territoires périurbains. Et bien sûr, les territoires ruraux,
les campagnes. Là où on nous dit qu'on ne veut pas d'écologie, alors que c'est là où aujourd'hui les agriculteurs voient leur récolte être détruite par la sécheresse, être détruite par les grêles. Et bien sûr, c'est Marie Pochon, c'est Jérémy Yordanov, c'est Jean-Claude Rau, c'est Sébastien Pétali et c'est Delphine Bateau. Et enfin, nous représentons celles et ceux qui ont décidé de faire leur vie en dehors de nos frontières avec Karim Benchek. Et aujourd'hui, on représente tous ces territoires, on leur dit oui, les écologistes sont toute la France. Mais c'est aussi quatre partis, c'est bien sûr Europe Écologie Les Verts, c'est Génération Écologie, c'est Génération.S, c'est les Nouveaux Démocrates, et nous sommes unis pour toute la France. Et on va vous le raconter un peu plus en détail, mais en fait, effectivement, c'est uni. C'est uni qu'ensemble, on a réussi. C'est les groupes écologistes qui est allé mettre les soutiens du gouvernement face à leurs responsabilités quand ils ont fait le marchepied du RN et qu'ils ont fait élire des députés RN à des postes clés de l'Assemblée nationale. Ça, c'est les écologistes. C'est après notre élection. C'est encore unis et avec nos collègues de la NUPES, qu'on a voté la motion de défiance. La motion de défiance à un gouvernement qui dirige à droite et qui est complaisant avec l'extrême droite. C'est unis qu'on a porté la taxe pour les super profits, qu'on a porté l'investissement pour le train, qu'on a porté la hausse des salaires, qu'on a porté l'encadrement des loyers. Et tout ce qu'on vous racontera, les combats, on les a menés pied à pied. Et oui, on était présents. Et oui, on était unis. Et d'ailleurs, globalement, je vous invite à venir entre 2h et 4h du matin à la buvette parlementaire, parce que c'est globalement à cette heure-là qu'on finit. Vous verrez les députés écolos un peu autour d'un verre d'agrippo qui essayent à peu près de reprendre des forces. Oui, non, mais ça, c'est pendant les pauses. Parce qu'il faut savoir que généralement, quand on a des pauses, c'est parce que ben, c'est vrai qu'ils sont un peu inquiets. Il faut apprendre à recompter avec l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de vote automatique. Il n'y a plus un gouvernement qui décide et une Assemblée qui applique. Et donc, pour ça, il faut discuter. Et donc, parfois, on a des pauses. Généralement, c'est tardif. C'est quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Donc, voilà, c'est à ces moments-là qu'effectivement, on va un peu se ressaisir. La deuxième chose, c'est effectivement, je l'ai dit, l'été que nous venons de passer. Les arbres qui sèchent sur pied, les glaciers qui fondent, les villes dans lesquelles on étouffe et les campagnes dans lesquelles on se serre la ceinture au fur et à mesure de l'augmentation du prix du plein. Aujourd'hui, ce n'est pas une vision de l'apocalypse. On a beaucoup dit que les écologies décrivaient un monde apocalyptique. Non, c'est la simple description de l'actualité, d'un été extraordinaire qui va devenir la norme. Cette alerte, nous l'avons donnée longtemps. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans cette salle à l'avoir fait depuis des années, depuis des semaines, depuis des mois, l'avoir dit haut, l'avoir dit fort, à ce que souvent vous avez répondu « mais non, tu te trompes, arrête d'exagérer ». Vous l'avez fait sous les moqueries, vous l'avez fait sous la brutalité des combats, parce que oui, quand on porte une parole écologiste, ça gêne, et vous avez continué. Et ça, nous devons en être fiers. Mais aujourd'hui, malheureusement, malgré ce combat, les températures ont déjà augmenté, plus 1,1 degré. Si nous ne faisons rien, 1,5, bientôt 2 degrés. Donc aujourd'hui, l'alerte n'est plus suffisante. La solution, c'est effectivement ce que nous devons porter. C'est avec vous, c'est avec le travail qu'on fait déjà dans nos communes, qu'elles soient petites et grandes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Grenoble, j'ai cité Champagné ici, Saint-Martin, Vinou également. Aujourd'hui, ce ne sont pas des vitrines, ce sont des avant-postes de la lutte contre le dérèglement climatique. Ce ne sont pas des laboratoires, ce sont des places fortes de l'écologie, d'une écologie populaire qui va changer la donne pour des centaines de milliers de Français. Et aujourd'hui, c'est à vos côtés, avec tous nos élus sur les territoires, avec tous nos militants, avec tout le mouvement de l'écologie, qu'on veut porter à l'Assemblée nationale cette société écologiste et ce projet écologiste. Les solutions, on les a, on les a, on n'est pas obligé de regarder la catastrophe arriver. Mais aujourd'hui, nous savons, nous devons radicalement transformer les fondements de notre société pour faire face au péril climatique. Une société est toujours bâtie sur un mythe. Quel est le mythe de cette société de surconsommation qui s'est accélérée dans les années 70-80? C'est celui de la croissance infinie. Et sur quoi ce mythe se fonde-t-il? Sur cette idée qu'on peut accumuler des richesses à l'infini, de manière effectivement abondante, qu'on les trouve et qu'elles se régénèrent sans fin. C'est quoi? C'est le fait d'abord d'avoir privatisé les communs.
C'est ensuite le fait d'être allé chercher des richesses dans des pays qui n'étaient pas les nôtres. Et enfin, qu'on n'avait plus de territoire à conquérir, c'était d'aller chercher dans le sol ces ressources qu'on a mis des millénaires à engranger et qu'on a mis quelques décennies à dilapider. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait une croissance finie alors qu'on n'a jamais pensé les limites de notre modèle et que c'est toujours accaparé ce qui ne nous appartenait pas ? Le rôle de l'écologie, c'est de réintroduire au cœur de notre société la notion de limite et notamment de limite planétaire. Et ça, oui, nous serons au rendez-vous, Marine l'a dit, dès septembre, pour faire des propositions pour un fonds sur le climat, sur la biodiversité, qui dit voilà, aujourd'hui, les solutions que nous avons, le package qu'on vous propose, parce qu'en fait, ce n'est pas des mesures éparses, c'est une pensée globale qu'on vous propose, qu'on peut mettre en place pour que demain, on vive mieux. Et en fait, on sait que ce combat sera rude. On le sait, parce que la croissance, elle est attachée à l'espoir de vivre mieux. Aujourd'hui, il va falloir effectivement qu'on dise qu'on peut vivre mieux sans cette abondance et sans ce profit sans fin. Et effectivement, Macron l'a dit, c'est un grand bouleversement. C'est la fin de l'abondance. Oui, mais nous le disons depuis des années. En fait, ce n'est pas la fin de l'abondance. L'abondance était une illusion. Nous avons construit notre modèle de société sur quelque chose qui n'existait pas. Les ressources infinies n'ont jamais existé. Le travail gratuit n'existe pas, bien qu'ils aimeraient bien, bien qu'ils essayent de le faire en sorte. Alors moi, je dis la fin de l'abondance, d'accord. Mais alors chiche. Est-ce qu'il va en tirer les conclusions ? Parce que la fin de l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la fin des pesticides, ça veut dire la fin de l'obsolescence programmée. Vous savez, ce qu'on achète, les trucs là, et puis qu'au bout de quelques mois, quelques années, c'est pourri. Donc comme ça, on rachète. Ça veut dire la fin des traités de libre-échange. Ça veut dire qu'on va enfin protéger l'eau. Et ça veut dire, par exemple, on parle de mythes. Mais prenons un exemple, je sais que vous le connaissez tous et tous. Mais c'est l'exemple peut-être le plus concret, la voiture. La voiture, cette voiture individuelle, avoir une, deux, trois voitures, pouvoir se déplacer quand on veut, oui, ce n'est plus un modèle qui fonctionne. Et je le dis, moi, j'ai grandi à Vesoul. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas Vesoul, mais vous pouvez imaginer qu'en Haute-Saône, en fait, sans voiture, on se sent prisonnier. On ne peut pas. Et je sais que c'est le cas dans certains endroits en Isère. En fait, sans voiture, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas déposer ses enfants à l'école, on ne peut pas les amener à des activités, on ne peut pas aller voir ses amis. Avoir le permis, c'est la liberté. Mais aujourd'hui, l'idée n'est pas de dire aux gens, restez chez vous, c'est de dire, il peut y avoir une nouvelle liberté autrement. Et c'est là où il y a la décision politique. Chiche, mettons des milliards sur le train, mettons des milliards pour que nos collectivités puissent faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire des transports en commun. Mettons de l'argent pour qu'on puisse faire de l'autopartage, de la voiture partagée. Aujourd'hui, le projet écologiste, c'est le projet de l'espérance, c'est le projet du bien-vivre et c'est ça qu'on doit revendiquer. Et donc la question n'est pas de constater ce qui est, c'est-à-dire que c'est la fin d'une abondance qui n'a jamais existé, c'est d'affaire le pari, c'est d'avoir le courage de dire nous devons profondément changer les choses. Et ça, c'est le rôle de l'écologie. Alors je vais finir en quelques mots avant que l'ensemble du groupe vous le raconte avec chacun de ces mots. Mais sur le banc de l'Assemblée nationale, vous pouvez compter sur nous. Nous serons votre voix et nous compterons sur vous pour mener ces combats comme nous l'avez toujours fait dans la rue, dans les associations. Et ensemble, nous allons aller chercher un maximum de victoires. Et nous irons aussi dénoncer toutes les régressions, une à une, comme nous l'avons fait avec le port méthanier. Oui, nous serons la voix de la nature qui se défend à l'Assemblée nationale. Il était temps qu'elle revienne. Nous serons un des quatre piliers de l'opposition à la droite ultralibérale, à l'extrême droite et à la droite coalitionnaire. Nous serons un des quatre piliers de cette humaine union populaire à laquelle nous avons été élus. Et cette union populaire, elle n'existe que si l'écologie est extrêmement forte. Et c'est ça que nous allons faire. Alors vous pouvez compter sur nous. Lors du budget, oui, on leur dira les milliards, on les veut, c'est comme ça. On fait des grands bouleversements. On leur dira les propositions pour changer de société, on les a, on vous les a proposées il y a quelques semaines. Et donc, allez-y, en fait, les solutions. Ben, c'est les écologistes, il n'y a plus qu'à. Alors, merci beaucoup. Maintenant, chacun va vous raconter aussi son sujet, son combat. L'idée, c'est qu'on vous parle un peu des actualités, mais aussi de cette nouvelle assemblée et des propositions qu'on va faire.
Alors, je vais demander de rester avec nous sur les chaises. Ne vous inquiétez pas, on reviendra tous à la fin. Donc, il y a Lisa, Charles, Julien, Sandrine et Sandra. Aurélien. Et Aurélien. Il marche. Est-ce que... Merci. Bon, allez-y. Bon, on va se Alors, la première question, là, l'idée, c'est de revenir un peu sur l'actu. Vous l'avez vu, l'actu, elle est quand même très forte. Et forcément, la première, c'est cet été. C'est cet été caniculaire, c'est cet été de sécheresse, d'incendie. Un été, malheureusement, qui fait écho à d'autres étés, hein, aux dômes de canicule au Canada, aux inondations en Belgique. Mais aujourd'hui, on nous dit, on a quand même un gouvernement globalement impréparé. Est-ce une fatalité, Lisa? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si finalement on a juste à regarder ou à attendre, ou est-ce qu'on a des solutions et lesquelles sont-elles? Merci, bonjour à tous. Alors ma question, c'est comment on sauve le monde quand on est écologiste? C'est ça, c'est un peu large. Je voulais juste rappeler quelques chiffres pour qu'on les ait bien en tête. Cette année, depuis le 1er janvier, c'est 62 000 hectares de forêt qui ont brûlé en France. C'est 7 fois plus que la surface moyenne brûlée chaque année entre 2006 et 2021. 7 fois plus. C'est 20 000 hectares rien qu'en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je viens de Nouvelle-Aquitaine. Rien que dans ma région, 20 000 hectares. Alors, OK, c'est la plus grande de France, mais quand même, ça fait pas mal. Mais cet été, c'est aussi des canicules à répétition, inédites par leur précocité et leur fréquence. Alors, j'ai compté 3 ou 4 vagues, mais on va les compter un peu comme les vagues de Covid, je crois. Ça risque de se poursuivre. Enfin, moi, j'ai déjà chaud. Et puis, cette année, c'est aussi une sécheresse, elle aussi précoce. Nous, on a des alertes dans mon département, la Vienne, depuis décembre 2021, sur la sécheresse. Inédite par son ampleur, toute la France, quasiment, est concernée. Et certaines communes, vous le savez déjà, sont déjà approvisionnées par des citernes pour leur eau potable, puisque les captages ne délivre plus d'eau. C'est moi, d'accord. Pas de pression. Alors, même si on rigole, tout ça est un peu bouleversant. Enfin, je ne sais pas, moi, je suis assez bouleversée de voir la France brûler. J'étais en vacances dans l'Aveyron, à côté des gorges du Tarn. On a vu les forêts brûler. Et encore, c'était un petit feu. Et pourtant, on l'a dit, hein, nous savions que tout ça allait arriver, on le dit depuis des années, on le dit depuis 20 ans, 30 ans, et rien n'a été fait, ou très peu. Alors je sais que d'autres vont taper sur le gouvernement, mais je vais quand même prendre mon tour pour le faire un tout petit peu, parce que notre président qui a eu une prise de conscience là très récente, qu'est-ce qu'il nous propose là quand même pour la rentrée? Alors il nous a déjà proposé de faire un nouveau terminal méthanier, voilà. Donc c'était avant sa prise de conscience. Mais là, pour la rentrée, il nous propose de détricoter le droit de l'environnement. Bon, est-ce qu'on va dans le bon sens? C'est pas sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les écologistes, à l'Assemblée nationale? Parce que c'est quand même ça, la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a déjà fait, pour les fans des questions au gouvernement, vous l'avez peut-être vu, on a déjà posé quelques questions sur l'impréparation du gouvernement. Il me semble que Sandrine a posé une question sur, au ministre Béchu, mais qu'allez-vous faire pour la canicule? Bon, bah, pas de réponse. On a posé des questions sur les feux de forêt. Donc on peut être l'aiguillon qui titille, mais est-ce que ça suffit? Pas sûr. Mais on peut aussi faire un travail de fond. Moi, je suis vice-présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire, et c'est là qu'on va faire le travail. Enfin, c'est pas que là, c'est dans toutes les commissions, mais c'est en partie là. Cyrielle l'a évoqué, on a parlé d'un paquet sur les limites planétaires, et donc si vous voulez en savoir plus, petit teaser, on fait un atelier cet après-midi pour développer ce sujet. Mais on va travailler sur la sobriété, sur l'eau, sur l'adaptation au changement climatique. La sobriété, c'est le sujet de rentrée, mais nous, on ne va pas se contenter de dire qu'il faut fermer les portes des magasins climatisés. Petit exemple, parce que concrètement, où est-ce qu'on peut aller? Je vais faire un petit tribute à Eva, puisqu'en 2015, on a une loi qui est passée, qui est la loi SAS, qui obligeait à prendre en compte les nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Cette loi, elle n'est plus appliquée. Notre rôle pourrait ou sera de la remettre sur la table
et de l'enrichir afin qu'elle soit appliquée à tous les échelons. Nous allons exiger qu'elle soit appliquée et nous allons l'enrichir avec des indicateurs permettant d'évaluer l'impact de chacune de nos politiques publiques à tous les échelons, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les impacts sur le vivant, sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique. Parce qu'on ne peut plus prendre des décisions qui vont à l'encontre ou qui dégradent notre vulnérabilité au changement climatique et qui dégradent nos écosystèmes. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Et d'ailleurs, je vais terminer par un appel. Si vous voulez travailler avec nous sur ces sujets-là, s'il y a des experts de l'évaluation des politiques publiques, s'il y a des experts des impacts, d'évaluation des impacts sur la vulnérabilité des territoires ou sur la vulnérabilité des effets au changement climatique, eh bien, venez, travaillons ensemble, nourrissons-nous les uns les autres et nous porterons ce travail au sein de l'Assemblée nationale. Ça marche. Donc Lise, elle a dit effectivement, il y a comme une question, c'est-à-dire qu'il y a une révélation ces derniers jours. Le gouvernement s'est dit, tiens, en fait, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a une question écologique. Donc Aurélien, à ton avis, est-ce qu'enfin, après 5 ans de retard et d'inaction, Macron va enfin make our planet great again? Spoiler, non. Mais on va essayer de détailler un petit peu pourquoi. Non, d'abord, un petit mot pour vous dire que je suis très content d'intervenir moi pour la première fois dans les journées des écologistes. J'étais venu l'année dernière, mais c'est la première fois que j'ai l'honneur d'intervenir devant vous. Et aussi dire à mes collègues que je suis très content de siéger avec eux, parce que je ne crois pas que c'est Hubert qui me contredira, je le vois devant. Sous le mandat précédent, on s'est senti bien seul. On s'est senti bien seul, parce que vous l'avez peut-être oublié, mais avec quelques députés écologistes sous le mandat précédent, on a même eu un groupe, pas très longtemps, mais on a eu un groupe. Peu de victoires, il faut bien le reconnaître. Donc c'était grand temps qu'Europe Écologie fasse, les Verts fassent son grand retour à l'Assemblée. Donc très heureux d'être avec vous, chers collègues, et d'intervenir devant vous ce matin. Alors, sur l'inaction climatique du gouvernement, il y aurait beaucoup à dire, mais je ne sais pas être trop long quand même. Effectivement, comme député sortant, moi je la vois depuis quelques années maintenant, on avait eu le droit à Make Our Planet Great Again en 2017, et ça s'est traduit par quasiment rien. Il avait promis, Emmanuel Macron, d'interdire le glyphosate au bout de 3 ans, en 2017. Ça n'a pas été fait. Il est même revenu sur les pesticides tueurs d'abeilles. Il les a réautorisés. Il avait promis de fermer toutes les centrales à charbon avant la fin de son mandat. Il est en train d'en réouvrir. Et si on regarde un petit peu la trajectoire des subventions, par exemple, aux énergies fossiles par rapport aux renouvelables, eh bien, ça n'a fait qu'augmenter pendant les dernières années. Donc on pouvait se dire peut-être qu'après avoir été condamné 2 fois par la justice pour inaction climatique suite à des actions menées par les écologistes, bravo au mari pour l'affaire du siècle, bravo à Damien Carême qui à Grande-Synthe a mené le combat aussi pour que l'État soit condamné, il allait peut-être réagir. Il a parlé pendant sa campagne présidentielle, il a parlé de planification écologique, rappelez-vous, il a dit tout un tas de choses à ce moment-là, mais pourtant, de ce qu'on constate depuis 3-4 mois qu'on est... à l'Assemblée, de retour à l'Assemblée, c'est plutôt recul sur recul. Il y a eu des propositions de fait dans le projet de loi pouvoir d'achat, dans le projet de loi de finances rectificative, on a proposé la baisse de la TVA à 5,5 sur les billets de train, on a proposé la baisse de la TVA à 5,5 sur les produits biologiques, on a proposé toute une série de mesures comme ça, tout a été rejeté. Tout a été rejeté et en plus, Lisa l'a dit à l'instant, ils ont utilisé finalement... Le fait qu'il y ait cette terrible guerre en Ukraine, et le discours de Vitali tout à l'heure nous l'a rappelé, pour justifier des choses injustifiables, réouvrir un méthanier, faire venir du gaz de schiste des États-Unis. Et voilà donc que maintenant, Emmanuel Macron, après tout ça, nous parle effectivement de sa prise de conscience, nous parle de la fin de l'abondance. Mais la fin de l'abondance pour qui, en fait? Parce que moi, je ne sais pas, mais à Cergy-Pontoise, je ne vois pas beaucoup de gens qui vivent dans l'abondance, et j'imagine que dans la plupart de vos territoires, c'est pareil. Et pourtant, ceux qui pourraient peut-être faire un effort, ceux pour qui peut-être on pourrait parler d'abondance, eh bien Emmanuel Macron et sa majorité, ils ont refusé que, par exemple, on taxe les super-profits de Total. Ils ont refusé qu'on ait une fiscalité plus juste et plus redistributive qui aurait permis aussi de réinvestir dans les énergies renouvelables, de réinvestir dans la transition écologique. Bref, ils refusent tout ce qui permettrait de dire qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on va arrêter l'abondance pour ceux qui sont vraiment dans l'abondance. Et on va voir si à la rentrée, mais j'ai cru comprendre lors du Conseil des ministres que ce ne serait pas le cas, si par exemple on pourrait avoir
première belle victoire, un premier beau symbole pour la fin de l'abondance avec l'interdiction des jets privés, mon cher Julien. Mais je crains que ce soit un petit peu difficile. Donc voilà, il y aurait, je vous dis, énormément à dire. Je crois que ce n'est pas la peine d'être beaucoup plus long. On a vu à quel point finalement il n'y aurait pas de victoire écologique sans écologistes au gouvernement, sans un groupe écologiste fort à l'Assemblée. Donc vous pouvez compter sur nous pour essayer de rectifier un peu le tir sous ce mandat-là. Et puis bien sûr, la prochaine fois, il faudra qu'on soit à leur place pour faire vraiment tout ce qu'il y a à faire en matière écologique. Merci à tous. Effectivement, parfaite transition. L'autre point d'actualité, c'est la question de tous celles et ceux qui ont... alors qu'on faisait tous des efforts, qui se sont dit, bah, moi les efforts ça ne me concerne pas, donc je peux continuer à prendre mon jet pour faire des sauts de puce. Et donc on a un député, Julien Bayou, vous l'avez peut-être vu, qui a proposé l'interdiction des jets privés. Oui, merci. Merci beaucoup. Bon, j'espère ne pas avoir à vous convaincre de pourquoi c'est nécessaire, urgent, pertinent, crucial d'interdire les jets privés. En vrai, ça fait partie d'une discussion plus large qu'on a eue d'ailleurs avec Aurélien Taché sur les signes ostentatoires de pollution. Les golfs privés arrosés en font partie. Si vous n'avez pas signé la pétition interdisonslesjetsprivés.fr, sortez vos téléphones et ne m'écoutez pas, signez. Je voudrais insister sur deux points. Deux points que ça met en lumière, parce que vraiment, j'espère ne pas avoir à vous convaincre. S'il y a besoin, vous levez la main et on en parle après. Mais vous avez peut-être vu que ça enfonce un coin dans l'unanimité du gouvernement. Il y a le ministre des Transports qui est évidemment concerné, Clément Beaune. Il se trouve que c'est mon voisin. Quand il n'est pas ministre, il est député. C'est le député de la 7e circonscription de Paris. Je devrais être avec lui aujourd'hui pour la commémoration de la libération de Paris, mais évidemment, je suis... Et donc, il a eu le courage, on peut dire ça quand même, le courage de proposer une régulation. Alors, c'est certainement pas suffisant, mais rien que le fait de proposer une régulation, alors que si vous vous souvenez, en juillet, on nous parlait de sobriété, un des mots qu'on utilisait entre amis, on perçait comme ça le débat public. Rien que le fait de proposer la régulation, alors même qu'il nous parlait de couper le Wi-Fi, eh bien, ça a été balayé d'un revers de main de manière assez brutale par Olivier Véran, qui est porte-parole du gouvernement. Et qui lui disait, on ne va pas siffler, mais c'est fascinant de les prendre à revers avec une simple proposition. Voilà. Et vous avez peut-être vu même que le ministre de tutelle de Clément Beaune, donc, comment il s'appelle, le ministre de l'écologie ? Béchu, voilà, ça. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on a, été soulagés, on a appris qu'il était vivant, puisqu'il est revenu pour dire qu'il ne fallait pas, évidemment, bouger sur quoi que ce soit. Bon. C'est important, au-delà du fond, évidemment, et j'espère ne pas avoir au convaincre, c'est important de travailler comme ça pour insister sur les points qui font mal, parce que quand on demande des efforts à l'ensemble de la population, aux terriens, que l'ensemble des terriens sont sous contrainte, évidemment, on ne peut pas embarquer sur une transition si elle n'est pas juste et si les efforts ne sont pas partagés. Si les super pollueurs, les super riches bénéficient de super dérogations, on ne pourra pas s'en sortir. Deuxième point, et je fais très court, mais ça me semble vraiment essentiel, quand je vous disais interpellez-nous, embarquez-nous dans vos luttes et autres, c'est la diversité des tactiques. On peut saluer, je crois, Léonore Mauconduit, maire de Poitiers, pour avoir lancé le sujet des aérodromes, de l'aviation de loisirs ou des caprices. Rendez-vous compte ce qu'elle s'était prise sur la figure à l'époque, destructrice de rêves d'enfants et autres. Et ça, c'est l'alerte. Ensuite, il y avait eu, bien sûr, la mobilisation citoyenne, Alternativa, Greenpeace, qui s'était introduit sur l'aéroport de Roissy pour dénoncer... le terminal 4, le T4, c'est de la désobéissance civile et c'est aussi comme ça qu'on avance. La mobilisation dans les institutions, l'action, la désobéissance civile. Une citoyenne, Ariane Godot, avait lancé une pétition à l'époque. C'est aussi une manière d'avancer. Et ce travail se poursuit par la mobilisation des chercheurs, des chercheuses sur les carburants de synthèse, sur la sobriété, sur la réduction de la nécessité de ces vols. Et ça se poursuit évidemment à l'Assemblée, au Sénat, puisqu'au Sénat, ça n'a pas été vu, mais sur le pouvoir d'achat, les sénateurs et sénatrices avaient proposé l'interdiction des jets privés en disant quand c'est pollué, les enfants sont confinés à l'école, pourquoi les jets peuvent décoller. Et ça se poursuit aussi au Parlement européen, puisque Karim Adeli à la Commission Transport travaille aussi sur le sujet, puisque évidemment c'est le vol, comment on appelle ça, l'espace aérien français, c'est un espace
aérien européen. Et c'est cette diversité des tactiques, je crois, qui permet d'avancer, de la, faire du judo avec un gouvernement et compter sur la mobilisation, toute la gamme de les mobilisations, des pétitions à la désobéissance civile, en passant par l'action dans les institutions, toutes les institutions. Pour poursuivre un petit tour d'actualité, il y a une actualité qui était malheureusement l'actualité de l'été, c'est-à-dire le pouvoir d'achat avec l'inflation, qui sera sans doute de nouveau l'actualité de la rentrée, parce que a priori rien n'a changé, peu étonnant vu le contenu de la loi qui nous a été proposée. Et Sandrine a été notre chef de file de ce premier texte majeur du mandat. C'est elle qui a porté et coordonné le travail de notre groupe sur ce texte. Donc, est-ce que Sandrine, tu peux un peu nous raconter le combat qu'on a mené et un peu le contenu de ce texte? Alors, le contenu du texte, c'est simple, hein, c'est que... on nous a vendu une loi pouvoir d'achat et en fait, il n'y a ni pouvoir d'achat. Par contre, il y a du carbone, il y en a beaucoup. Alors, quelle n'a pas été notre surprise de voir que dans une loi pouvoir d'achat, il y avait un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste américain. Quelle n'a pas été notre surprise de voir que dans la loi pouvoir d'achat, il y avait la possibilité de réouvrir les centrales à charbon. Mais quelle n'a pas aussi été notre surprise de voir que dans la loi pouvoir d'achat, il y avait une augmentation des minima sociaux qui était inférieure à l'inflation, c'est-à-dire que les personnes qui ont le moins en France, les personnes qui sont en survie quotidienne, eh bien, ont rechigné à leur donner 1, 2, 3% de plus d'augmentation. Et je voudrais vous parler de ça, moi, c'est que je voudrais vous parler de cette espèce de décalage incroyable qu'il y avait entre les débats qui se déroulaient au sein de l'hémicycle et ce qui se passait à l'extérieur. Cette loi pouvoir d'achat, on l'a discutée, votée de nombreuses heures. Et au moment où on l'a discutée, eh bien, il y avait les premières canicules. Et donc, on savait que quand il y avait des canicules qui succédaient à des temps de sécheresse très longs comme dans le sud, eh bien, ça finirait en incendie. Et nous, pendant ce temps-là, on discutait du terminal méthanier. On était en situation de canicule et on ne s'occupait pas tellement des enfants, des familles qui restaient à l'intérieur de leurs appartements ou de leurs maisons si mal isolées qu'ils étouffaient. Et nous, on votait une augmentation des minima sociaux qui est inférieure à l'inflation. On ne s'occupait pas tellement non plus de ces logements dans lesquels, je vous le disais, on étouffait, mais surtout qu'on n'avait aucun moyen de rénover, puisque ce sont des appartements en location, ce sont des appartements ou des maisons que l'on ne possède pas. Eh bien, tout ce que l'on a présenté là-dessus a été refusé. L'isolation thermique des logements faisant en sorte qu'on n'ait plus de factures de gaz et d'électricité ou qu'on en ait une beaucoup plus faible, eh bien, tout cela a été refusé. C'était aussi le moment où on commençait à voir dans la population eh bien, les premières expulsions de logements, puisque les personnes en sortant de la période Covid avaient accumulé des dettes de loyer. On a proposé l'élimination des dettes de loyer et la suppression des expulsions pendant la période estivale. Tout cela a été refusé. Par contre, il y a des choses qui sont passées dans cette loi. Et ce qui est passé, par exemple, je vous donne un exemple du cynisme dans lequel nous étions, c'est qu'il est prévu dans la loi pouvoir d'achat que l'on puisse réquisitionner des réserves de gaz et de pétrole si on en manquait cet hiver. Et il est prévu dans cette loi que dans ces cas-là, on indemniserait les entreprises à hauteur du coût auquel elles auraient pu le vendre. Nous avons proposé une chose toute simple qui était que l'État n'indemnise pas les actionnaires de ces entreprises-là. C'est-à-dire que quand on achetait, quand on réquisitionnait des litres et des tonnes de pétrole, eh bien, on ne rémunère pas les actionnaires de Total. Eh bien, cela, ça a été considéré comme trop gauchiste et ça n'a pas été accepté. Alors, la révélation, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a eu, je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a eu, peut-être que son jet ski est tombé en panne, je n'en sais rien, mais en tous les cas, là, il serait quand même urgent de regarder la chose parce qu'il y a eu une violence dans ces débats-là à l'Assemblée nationale qui était absolument incroyable. Pendant que les gens crevaient de faim, pendant qu'ils n'arrivaient pas à manger, pendant qu'ils crevaient de chaud dans leurs appartements, pendant que 40% de la population n'arrivait pas à partir en vacances,
nous, ce que l'on faisait, c'est qu'on disait non à la diminution du prix des billets de train, non à la diminution des transports en commun, non à l'isolation des logements, non à la non-rémunération des actionnaires, non à la taxe sur les super-profits, non à la réquisition des logements vides. Tout cela a été refusé et c'est la honte. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en ouvrant la loi sur le pouvoir d'achat, en faisant le discours d'introduction sur la position qu'allait être le groupe sur toute l'étude de la loi pouvoir d'achat, j'avais dit à Bruno Lumaire qu'il continuait de manière aveugle dans un modèle de croissance extractiviste qui nous menait dans le mur. Il nous a répondu que l'apocalypse n'était pas un projet politique. Eh bien, on l'a vu tout l'été, l'apocalypse, c'est eux. Donc après tout ce dont on vient de parler, il y a quand même une mesure qui fait l'actualité, hein, c'est le retour de la double peine, parce que c'est la mesure que Darmanin juge très utile à la fin de cet été de présenter. On nous promet aussi une nouvelle loi sur l'immigration ou un débat à l'Assemblée nationale. Sandra, le gouvernement ne chercherait-il pas un bouc émissaire? Pour répondre à ta question, je vais à la fois revenir un peu en arrière sur le contexte qui est le nôtre, même si vous l'avez déjà évoqué, et puis vous parler de cette loi immigration qui arrive, qui est, je pourrais vous la décrire de plein de façons, mais qui est quand même le énième cadeau à l'extrême droite de ce gouvernement. Ce qui se passe depuis qu'on siège à l'Assemblée nationale, et on l'a qu'évoqué, donc je vais un peu insister dessus, c'est qu'un tapis rouge est déroulé à l'extrême droite en France pour la première fois de l'histoire de cette Ve République. Ce sont des postes régaliens, les postes au plus haut sommet de l'État. La vice-présidence de l'Assemblée nationale qui fait que l'extrême droite, par deux de ses personnes, dirige nos débats. C'est siéger à la Cour de justice de la République. C'est siéger dans les commissions du renseignement, là où circulent les infos les plus capitales. Et ça, c'est par choix politique de ce gouvernement, rien n'obligé à donner ses places à l'extrême droite. Et ce qu'on nous dit, quand on en rappelle au devoir républicain, quand on rappelle le fait qu'il y a une constitution, quand on rappelle le fait qu'il y a des combats essentiels qui ont constitué la France et que notre devoir d'écologiste, notre devoir de député de la nation française, c'est de se battre contre la montée de l'extrême droite, on nous répond « Ah oui, mais ils ont été élus, ils sont 89. » Donc on applique la proportionnelle dans tout ce qu'on fait. On a laissé tomber la politique. Ils ont laissé tomber la politique, c'est-à-dire les valeurs, c'est-à-dire le devoir, pour appliquer la proportionnelle. Et on retrouve ça dans la proposition, dans les propositions, j'ai envie de dire, avec de grands guillemets, j'allais dire d'Éric Ciotti, parce que c'est une vieille proposition de 2011 que Gérald Darmanin reprend aujourd'hui. On retrouve la même logique. Ce gouvernement ne fait pas de la politique, il fait de la communication. Ce ministre de l'Intérieur, en nous proposant ses lois, ne fait pas de la politique, ne cherche pas à améliorer la vie des concitoyennes et des concitoyens, il fait de la communication. Il propose de réduire les files d'attente devant les préfectures des gens qui n'ont pas leurs papiers, qui ont besoin d'avancer, parce que ce n'est pas joli dans l'espace public. Il propose de dématérialiser l'accès aux démarches à des gens qui ne parlent pas vraiment notre langue, qui sont en difficulté, qui ont fui des persécutions. On peut parler des Ukrainiens aujourd'hui, qu'on salue et qu'on soutient. Ce sont aussi les Ukrainiens qui font la queue devant les préfectures et que Gérald Darmanin veut renvoyer derrière un ordinateur. C'est de la communication, pas de l'action. Ça n'empêche pas des gens de devoir faire ces démarches. Et au contraire, ça les repousse encore plus loin, et nous encore plus loin de notre devoir d'humanité. C'est contre tout ça qu'on s'est présenté il y a quelques mois. C'est contre tout ça aussi qu'on se bat au quotidien. Et je vous le dis très tranquillement, parce qu'on y est préparé, cette rentrée politique va être une boucherie. Cette loi immigration est un cadeau qui permet de désigner, comme le rappelait Cyrielle en introduction, des boucs émissaires. Des boucs émissaires qui seront décidés sur leur naissance, leur culture, leur peau,
la religion dont ils ont hérité. C'est la France qu'ils sont en train de dessiner. Donc non, ce n'est pas juste un gouvernement qui n'agit pas, ce n'est pas juste un gouvernement qui renonce, ce n'est pas juste un gouvernement qui recule par défaut, c'est un gouvernement qui choisit, avec sa coalition présidentielle, de nous faire retourner à ce qu'ils aiment bien dire de nous, à savoir la bougie, mais la bougie intellectuelle, celle où on a peur de l'autre, celle où persécuter permet d'empêcher de réfléchir. Parce que c'est vrai que s'il y a des boucs émissaires, eh bien, on ne réfléchit pas aux prochains superfeux qui seront là l'été prochain et qui feront que d'autres gens perdront leur maison. On ne réfléchit pas aux moyens d'action. On ne réfléchit pas au fait qu'on vient de voter une loi « pouvoir d'achat » entre guillemets, qui fait qu'à cette rentrée-là, les gens auront encore moins d'argent qu'à la précédente alors qu'elle était censée l'empêcher. Et donc tout ça, c'est bien pratique et ça va se synthétiser dans cette loi immigration. Alors Julien le disait, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Parce que cette pression sur la société, nous écolos, on est en capacité de la mettre. On l'a toujours fait, aussi petit qu'on soit, on a toujours su être le grain de sable qui empêchait une société libérale, productiviste, de continuer à couler comme elle voulait. Parce qu'elle va couler à partir de cette rentrée si on n'agit pas, et ça tombe bien, on n'a jamais été aussi nombreuses et nombreux à l'Assemblée. Donc venez, mobilisez dans vos villes, dans vos villages, dans vos campagnes. Eux ne se privent pas. Là, effectivement, Gérald Darmanin fait le tour pour expliquer qu'à Mayotte, c'est là où on va commencer à faire ce que les Américains appelaient il y a quelques années des « teen boot camps », c'est-à-dire rééduquer, ce sont les mots du ministre, des enfants par l'usage des militaires. Il se trouve qu'on a pléthore d'études sur l'inefficacité totale de ces systèmes, le coût pour la société et l'incohérence qu'il y a à dire. Vous voyez les représentants de l'ordre, l'armée, la police, eh bien ce sont vos ennemis, ce sont ceux qui vont vous rééduquer. On sait déjà ça depuis les années 80-90, mais pour Gérald Darmanin, c'est normal. Et je vais finir pour la bonne bouche, parce que c'est juste tellement risible que c'en est presque drôle. Ce matin, notre ministre de l'Intérieur a expliqué que face à un véritable fléau, qui est celui du crack qui débarque dans nos rues, enfin, qui continue à se répandre dans nos rues, il allait lui-même, in tuta personae, aller en Afrique de l'Ouest pour arrêter le trafic de crack. Voilà la Ve République en fin de vie. C'est quand des hommes pensent qu'ils incarnent, je ne sais pas, Superman. Il y a des milliers de policiers qui œuvrent chaque jour à traquer l'argent, de la drogue, à faire en sorte qu'on arrête de blanchir. Il y a des écologistes qui ont proposé plein de solutions pour travailler là-dessus. Et ben, ça tombe bien, à la rentrée, on sera rechargé et en forme pour affronter vraiment les problèmes, sortir de la communication et être dans l'action républicaine pour restaurer la liberté, l'égalité, la fraternité qui sont bafouées tous les jours dans notre enceinte. Donc là, il y en a Marie, Jérémy, Marie-Charlotte, Benjamin et Christine qui vont nous rejoindre. Et en attendant, comme vous n'êtes pas tous sur LCP entre 23h et minuit, on va vous faire plusieurs petites vidéos des meilleurs moments de nos débats à l'Assemblée. Je ne sais pas si on peut la lancer. Vas-y, vas-y. Vous prétendez soutenir le pouvoir d'achat des Français. Mais le vrai bouclier, la vraie protection des ménages contre la flambée des prix de l'énergie, c'est de leur permettre d'en consommer moins. Nous devons impérativement et urgemment transformer notre modèle global en le dirigeant vers des opérations financières qui favorisent la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, à court terme comme à long terme. Madame la ministre, Madame la rapporteure, cet article 12 s'insère dans une longue série qui traduit la trajectoire prise par le gouvernement en matière d'énergie. Non seulement toujours plus de carbone, mais aussi du méthane. La lutte contre le réchauffement climatique attendra. Vous êtes pour l'accumulation, nous sommes pour l'équilibre. Vous êtes pour le ruissellement, nous sommes pour la solidarité. Vous êtes pour l'exceptionnel et nous sommes pour des mesures structurelles.
Vous êtes pour les primes, nous sommes pour des salaires. Vous êtes pour l'ébriété énergétique, nous sommes pour la sobriété. Vous êtes pour des miettes, nous sommes pour du pain, la boulangerie et même l'autonomie. Vous êtes pour le gaz de schiste et le charbon et nous sommes pour les énergies renouvelables. Il est temps de changer de logiciel et il est temps surtout de considérer l'écologie sociale et environnementale comme le paradigme absolu de toute action gouvernementale au vu des enjeux et des réalités climatiques qui nous rattrapent et vont bientôt nous déborder. Nous, écologistes, nous serons toujours force de proposition pour que la France soit à la hauteur de ses enjeux, au bénéfice des plus précaires, car ils subissent la double peine de la fin du mois et de la fin du monde, et parce qu'il n'existe pas de planète de secours. Je vous remercie. C'est conforme, en fait, à ce qu'Emmanuel Macron a toujours pensé, hein, que ceux qui ne sont rien, n'ont le droit qu'aux miettes, que ceux qui ne sont rien, finalement, n'ont que ce qu'ils méritent. Et oui, c'est pour ça que je l'ai quitté et que j'en suis fier, chers collègues. Merci pour la préparation de cette petite vidéo. On a entreaperçu Sébastien Pétavi, notre député de Dordogne, qui malheureusement est hospitalisé depuis quasiment prestation de serment. Ça, c'est pour les magistrats. Depuis quasiment le début de la mandature, on pense très très fort à lui. On aura une vidéo où il nous passe un message juste après. Alors, on continue cette petite table ronde. Je sais que vous avez plein de questions. Rappelez-vous qu'il y a un pot juste après. Tenez bon. Dans cette arrivée à l'Assemblée, il y a une jeunesse, un renouvellement qui est visible sur les bancs de l'Assemblée et qui est visible à ma droite avec Marie Pochon, députée de la Drôme. Il y a combien de bleds dans ta circo? 240, voilà. Mais là, tu ne voulais pas tellement nous parler de la Drôme rurale et de la Lavande, mais de comment la génération climat, qui est directement impactée par tout ce qui se passe, prend ses marques à l'Assemblée et pèse sur le cours des choses. Et ben, c'est à toi. Merci beaucoup. Et je suis effectivement en train encore d'apprendre le nom de l'ensemble des communes de la circonscription, parce que c'est assez immense, mais vous êtes les bienvenus. Non, mais je voulais revenir effectivement sur la génération climat. Alors, je vais faire un propos qui est plutôt général. J'ai plutôt écrit mon discours. Je suis un peu moins à l'aise que d'autres dans la prise de parole publique. Là, vous me mettez très mal à l'aise. Non, mais voilà, je voulais revenir sur une phrase qu'on nous a souvent dit dans un sourire compatissant et complaisant à nous, jeunes, ici en France, mais aussi partout en Europe, mobilisés sur les enjeux environnementaux. C'était « Vous êtes l'avenir ». On nous a regardés avec sympathie. On a tué nos utopies et notre radicalité par le dénigrement des idéaux de jeunesse et un certain pragmatisme institué en dogme. Ici, dans cette salle, et c'est une grande émotion que de les connaître, que de militer à leur côté, et que de prendre le chemin qu'ils et elles ont tracé, ces utopistes sont nombreuses et nombreux. Défenseurs du vivant, ils ont alerté sur les sécheresses à venir, ils ont monté des ZAD et arraché des OGM, c'était facile, pour défendre un autre monde possible. Ils ont été la nature qui se défend face au dogme de la croissance infinie et d'un bonheur qui s'achète. À leur suite, nous sommes la génération qui, depuis l'échec abyssal de Copenhague, a crié la nécessité d'agir immédiatement et impérativement pour sortir des énergies fossiles. Nous sommes la génération qui a bloqué les excavatrices dans les mines de charbon, qui a fauché les chaises des banques, qui a dénoncé dans les marches climat la mainmise des lobbies au ministère de la transition écologique, qui a manifesté avec les gilets jaunes l'injustice d'une transition qui ne reposerait que sur les plus précaires, qui a initié aussi la plus grande mobilisation en ligne de l'histoire et une victoire juridique sans précédent avec l'affaire du siècle. Nous sommes de cette génération qui se lève dans les rues et devant les tribunaux pour exiger la justice. Celle qui mène la bataille du 21e siècle, des pollués face aux pollueurs. Celle qui désobéit parce que l'ordre établi est en fait un sacré bordel qui ne mène qu'au désordre et à la fin du monde. Qui bouscule la hiérarchie des normes. Qui fait sienne l'état de nécessité face à une inaction climatique illégale et criminelle. Celle qui n'accepte plus que Total fasse 10 milliards d'euros de profit en 6 mois sur la mort d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens. Nous sommes l'avenir, nous disait-on,
Oui, nous sommes l'avenir, mais nous sommes surtout le présent. Nous sommes la dernière génération à pouvoir tout changer et à devoir tout changer. Nous sommes le présent, car la génération climat arrive aux responsabilités. Cet été, nous avons réintégré l'Assemblée nationale en formant un groupe qui est un des plus jeunes et un des plus féminisés, voire le plus féminisé de l'histoire. Un groupe de 23 députés de combat dans un intergroupe NUPES soudé sur l'urgence sociale et environnementale et en lien avec les parlementaires au Sénat, mais aussi au Parlement européen et les majorités écolos dans les collectivités. N'oublions pas d'où nous venons quand nous menons dans ces assemblées toutes les batailles auxquelles nous devons faire face en ce début de siècle qui prend des figures de fin du monde. Nous ne pouvons pas pour autant nous voiler la face. Les défis sont immenses, mes collègues l'ont bien dit. Nous sommes encore bien trop peu nombreux. De la sobriété subie au profit de quelques-uns. Ah, je fais que me... Pardonnez-moi. Oui, c'était plus simple au papier, j'ai hésité. De la sobriété subie au profit de quelques-uns, des pénuries non anticipées, de l'accaparement des ressources, des milliards des industriels fossiles qui s'extirpent de leurs responsabilités sociétales et climatiques. Mais le nombre, nous l'avons, et je vais terminer là-dessus, de l'injustice criante que révèle cette abondance qui d'un coup prendrait fin quand pas grand monde ne l'avait vu débuter. Le nombre, nous l'avons, de celles et ceux qui bâtissent des solidarités concrètes face au manquement de l'État, de ces paysans qui tentent de sortir de l'étau des aides à l'hectare pour produire autrement, de ces milliers de personnes qui peu à peu quittent leur boulot pour redonner du sens à leur vie. Nous l'avons de celles et ceux qui luttent contre les colosses au pied d'argile, les méga-projets destructeurs du vivant partout sur les territoires. Le nombre, nous l'avons, dans l'angoisse partagée par ces trois quarts des jeunes qui souffrent aujourd'hui légitimement d'éco-anxiété. À nous de tendre la main, à nous d'être de tous les terrains, de tous les combats, en allant toujours là où personne d'autre ne va. À nous aussi d'être en conquête de ces territoires moins urbains, de celles et ceux que nous n'incarnons pas encore, mais aussi à la conquête de nouveaux droits, comme ceux du vivant, seule garantie de nos droits fondamentaux, présents et à venir. Et à nous, enfin, d'écouter et de convaincre. À nous d'aller chercher celles et ceux qui sont les plus éloignés de nous, pour former les majorités politiques et les victoires dont nous et le vivant avons cruellement besoin. Nous sommes celles et ceux que nous attendions et nous ne lâcherons rien. Merci beaucoup, Marie Pochon. Sans transition, on passe à un autre local de l'étape qui s'est présenté tout à l'heure, Jérémy Yordanov, qui connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée, qui connaît bien les aspects politiques. Jusqu'à peu, il était secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts et a contribué aux différentes réussites de ce mandat. Je disais, tu connais bien l'Assemblée, tu es à la Commission des lois, et par rapport à toutes les mandatures qu'on a pu avoir, outre le fait qu'il y a 23 députés de talent écologiste, c'est la première information sur cette mandature, la deuxième information importante, c'est qu'il n'y a pas de majorité automatique. Et ça change vraiment la donne. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport aux mandatures précédentes, où il y avait des majos assez larges, à plus de 300, 350 et autres? Merci Julien. Rebonjour tout le monde. Alors déjà, c'est le bordel, l'Assemblée nationale. C'est un grand théâtre. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue, ça rend le théâtre encore plus compliqué et plus intéressant. Il y a un fait assez important, en fait, dans la Ve République jusqu'à maintenant. En tout cas depuis l'inversion du calendrier, à chaque fois que le président de la République était élu, derrière il avait une majorité avec qui il pouvait demander ce qu'il voulait, la majorité votée. Ça n'est plus le cas, parce qu'il n'a pas de majorité absolue, et parce que, y compris dans son groupe, les gens sont en train de réfléchir à ce qui se passera après, parce que Macron ne pourra pas se représenter, et en fait il ne maîtrise pas, y compris son groupe, à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée n'était pas sa candidate favorite à lui. Et on voit dans les commissions, je pense à la proposition de Sacha Houlier, par exemple, qui n'est pas quelque chose qui émane du gouvernement. Sur le droit de vote des étrangers. Sur le droit de vote des étrangers, je pense qu'il y a... Pardon.
pardon. Non, pour expliquer, Sacha Houllier, président de la commission des lois, député LREM, a formulé la proposition du droit de vote des étrangers, que nous soutenons évidemment, mais qui n'est pas encore déposée. Qui n'est pas déposée, mais je pense qu'il envoie par là un signal politique pour dire attention, on n'est pas forcément d'accord avec la ligne du gouvernement, etc. C'est un fait nouveau. Nous, on a toujours prôné la proportionnelle pour les élections législatives. Le résultat d'une proportionnelle, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes politiques, alors les poids des différents groupes ne conviennent pas. Mais en tout cas, sur le fonctionnement, ça veut dire que la décision politique se déplace de l'Élysée, finalement, à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est extrêmement important. Alors là, je parle, il y a aussi le Sénat, effectivement, qui va peser beaucoup. Je pense que la droite va peser beaucoup, beaucoup plus dans le Sénat. Et c'est aussi pour ça que sur les premières lois, ils ont besoin de la droite pour faire passer les votes. Je pense que nous, les écologistes, on est attendus sur la question démocratique et il faut qu'on se serve de cette nouvelle configuration politique pour peser. Et je pense qu'il faut avancer aussi nos pions sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il faut faire des propositions sur la proportionnelle. Et moi, j'ai envie qu'on en fasse une deuxième, c'est déconnecter les législatives de la présidentielle. C'est ça qui nous a enfermés jusqu'à maintenant dans le fait majoritaire. Voilà, je pense qu'il y a des changements profonds de la Ve République qu'il faut enclencher maintenant. On l'a vu dans la campagne électorale, et dans les précédentes élections, il y a une défiance terrible par rapport au gouvernant, à la classe politique, au système électoral, etc. Si dans ce mandat, on n'arrive pas à réformer les institutions, à faire des propositions suffisamment fortes dans ce sens-là, la crainte que j'ai, en fait, c'est que la poussée de la droite et en fait de l'extrême droite, parce qu'un jour on est un accident démocratique, c'est que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un deuxième tour de la présidentielle et que derrière ils aient une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut absolument sortir de ce système-là avant la fin du quinquennat. Il faut trouver une majorité pour changer les institutions et je m'emploierai sur ce thème à ça. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Effectivement, c'est un peu comme si les Français avaient fait une proportionnelle par effraction et nous, on doit démontrer que ça fonctionne. En fait. À ta droite, Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône. Alors, on connaissait le terme éco-blanchiment, greenwashing, et puis il y a un terme qui s'appelle pinkwashing. Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais surtout ici à Grenoble où on a créé le planning familial, je pense que c'est important de démonter un petit peu une autre particularité de cette mandature qui démarre donc avec une femme première ministre et, nouveauté, femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça fait pour autant une politique féministe? On aimerait t'entendre. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous voir si nombreux. Je vois aussi qu'il y a quelques Lyonnais et Lyonnaises dans la salle, donc comme c'est même. Vive le tacos. Ouais, non, simplement vous dire qu'au-delà de ça, au-delà d'une présidente de l'Assemblée et d'une première ministre, moi j'ai appris une autre bonne nouvelle en juillet, c'est-à-dire que je siège à la délégation des droits des femmes, donc il y a des commissions permanentes et il y a des délégations. Et dans la délégation droits des femmes, en juillet, moi on m'a appris, une députée de la majorité m'a appris qu'on avait aussi Emmanuel Macron, premier féministe de France. Donc, comment vous dire qu'avec mes collègues de la NUPES, on s'est un petit peu étouffés dans notre coin de la salle. On a eu un petit peu de mal. Mais au-delà de ça, cette assemblée, c'est une assemblée dont la parité a reculé. C'est une assemblée où, quand les femmes s'expriment et s'énervent, parce qu'on a aussi le droit à la colère, au sein de l'hémicycle, on nous explique en fait qu'il faut qu'on aille prendre une tisane. Tout va bien. Et c'est aussi une assemblée où on nous dit que nos voix sont trop aiguës. Et en fait, ce ne sont pas nos voix qui sont trop aiguës pour les micros, ce sont les micros qui sont réglés pour les hommes, et c'est cette assemblée et cette institution qui, en fait, a été faite par et pour des hommes, et ça, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais aussi vous poser la question, est-ce que, finalement, on est dans une société féministe quand on craint encore de se déplacer dans l'espace public et de se faire agresser? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est dans une société féministe quand on met plus de 5 ans à déconjugaliser l'AAH, où c'est aussi un sujet d'autonomie pour les femmes en situation de handicap? Je ne crois pas non plus. Est-ce qu'on est dans une société féministe quand on est incapable d'agir pour protéger le droit à l'IVG de manière rapide, claire et efficace, sans faire le jeu de sombre histoire institutionnelle? Je ne crois pas.
Ce que je veux vous dire ici, c'est que finalement, on ne peut pas être dans une société féministe quand il y a eu la crise Covid, ce sont les femmes qui ont subi de plein fouet en fait, les conséquences et qui ont aussi tenu, on va dire, les premières lignes de manière la plus forte, la plus efficace et qui n'ont pas finalement été saluées slash remerciées par ce gouvernement. Et parce qu'on est écologiste et qu'on a un prisme aussi résolument écoféministe, moi, j'aimerais rappeler que les conséquences du réchauffement climatique, ce sont aussi les femmes qui en subissent les conséquences de manière disproportionnée. Et quand on est féministe, j'ai envie de vous dire, on a cette approche où on essaye de prendre en compte un petit peu tout le monde. Parce que là, je parle de la grande catégorie femmes, mais en fait, être féministe, c'est aussi inclure les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, et j'en passe. Mais c'est bien ça, la politique que nous, on a envie de mener écologiste, c'est de se dire qu'on va systématiquement considérer la personne la plus vulnérable et faire une politique publique qui élève la personne la plus vulnérable pour être le plus ambitieux possible. J'aimerais aussi vous dire que tout cela n'est pas surprenant. Quand on a un gouvernement qui n'est pas exemplaire en son sein, il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas de politique publique féministe à la hauteur, puisque c'est bien ce qu'on dit, pour avoir des politiques publiques féministes, et bien il faut mettre des féministes au pouvoir. Donc on a eu le cas de Madame Cailleux, on a eu le cas de Monsieur Darmanin. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate avec tout ça? C'est qu'il y a des choix politiques qui ne sont absolument pas exemplaires et qui nous renvoient à une inaction ou à une efficacité en termes d'égalité femmes-hommes et d'égalité en général. Et je vais vous parler d'un petit quelque chose qui s'est passé, j'ai eu l'occasion d'en parler, et je salue d'ailleurs la mobilisation des écologistes, notamment face à l'incident, on va dire, ou à la polémique aux propos en fait, homophobes de Madame Cailleux. C'est les écologistes qui se sont mobilisés, et je remercie notre famille politique de l'avoir fait. Moi, j'ai eu Monsieur Darmanin qui est venu dans ma circonscription. Qu'est-ce qui se passe quand en fait, on a un homme qui est impliqué dans des affaires d'agression sexuelle, quand on a un homme qui a eu des propos ouvertement homophobes qui vient en circonscription? Bah, en fait, c'est pas lui qui a mal au ventre. C'est moi, la jeune députée, qui est vraiment féministe, qui en a mal au ventre et qui ressent dans ses tripes le coup d'avoir en fait des dominants qui sont toxiques pour les minorités dans les espaces de pouvoir. Et ça, lui, il s'en fiche, quoi. Mais nous, en tout cas, les minorités, on le ressent dans notre chair et c'est extrêmement compliqué de faire comprendre ça à la majorité et de dire... En tout cas, de dire... et de faire comprendre à la majorité que la politique, c'est aussi des symboles, et qu'il y a des symboles qui sont d'une violence extrême. Tout ça pour vous dire que le chantier est long, que je nous sais au travail, et que notre travail dans cette assemblée, nous écologistes, ça va être aussi de pointer systématiquement du doigt quand les choses ne sont pas faites ou elles sont faites, et c'est insuffisant, pour aller vers ce qui est urgent et nécessaire de mettre en place. Et je sais que l'égalité, c'est un sujet qui sera porté collectivement par l'ensemble des membres de ce groupe et je nous remercie déjà pour le travail qu'on va engager collectivement pour les 5 prochaines années à venir. Je vous remercie. Merci Marie-Charlotte. On va passer à Benjamin Lucas qui est député des Yvelines et coprésident de Génération S. Il y a un épisode qui a été rapidement évoqué par Sandra Rogol, c'est l'accession de députés FN à la vice-présidence, donc en gros l'institutionnalisation des députés FN dans l'hémicycle. Très tôt dans le groupe, on s'est dit qu'on voulait absolument rien avoir à faire avec tout compromis qui permette la banalisation, l'institutionnalisation, la notabilisation du Front National. Je pense que c'est une grande fierté pour nous. Et t'en as été un des fers de lance avec Sandrine Rousseau, puisque c'est via vos candidatures qu'on a pu démontrer que des députés LREM avaient dû voter FN pour permettre ce deal en fait, entre LREM et FN. Et depuis, tu n'as rien lâché. Une des particularités de cette mandature, c'est donc ces 89, 90, 91 députés fachos dans l'hémicycle. On a parlé de l'absence de majorité. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact de cette présence de l'extrême droite dans l'hémicycle? Oui, je vais commencer par un ressenti. Parce que tu parlais de ce qu'on ressent dans les tripes, et moi c'est comme ça que j'ai ressenti quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, et je pense que mon cas ne fait pas figure d'originalité par rapport aux autres, on ressent de la fierté, de l'émotion, on est des militants politiques, et d'ailleurs c'est aussi une différence avec un certain nombre de macronistes, et nous on arrive comme des militants, donc ils trouvent qu'on parle trop fort, qu'on s'énerve trop, qu'on met trop de convictions, mais on est des militants, on est là pour ça, pour ce combat politique, donc on arrive avec cette fierté-là, après...
une grosse année de campagne entre la présidentielle et législative, portée par l'idée qu'enfin, avec un groupe écologiste de cette dimension-là, on va pouvoir, surtout dans une assemblée où il n'y a pas de majorité, marquer un certain nombre de victoires politiques pour l'écologie politique. Bon, on arrive avec cette fierté-là, une forme d'enthousiasme, on est sur un petit nuage. Et puis arrive la première séance, et là on voit visuellement, 89 députés d'extrême droite qui se lèvent pour applaudir Marine Le Pen. Et moi, je le dis parce que ce jour-là, depuis ce moment-là, la façon dont je conçois mon mandat et mon exercice de parlementaire n'est plus le même. J'ai la boule au ventre à chaque fois que je les vois. La boule au ventre. Pas parce que physiquement, ce qu'ils représentent, mais par le nombre qu'ils sont. Parce qu'ils ne sont pas là par accident. Ils ne sont pas là par hasard. Marine l'a rappelé tout à l'heure. Souvenons-nous de ce qu'a été la campagne des élections législatives. Souvenons-nous des tracts qui ont été faits par la Macronie contre toutes celles et ceux qui étaient candidates et candidats à la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Le fait qu'un parti de gouvernement, un parti qui exerçait toutes et qui exerce encore toutes les responsabilités du pays, a décidé de mettre un signe égal entre la gauche républicaine, quelles que soient ses nuances, et l'extrême droite, adversaire historique de la République, parti fondé par d'anciens SS. Ils ont décidé de mettre un signe égal et d'entretenir une espèce de grande confusion. Pourquoi ? Pour gagner quelques sièges. Eh bien, comme d'habitude, quand on joue à la triangulation avec l'extrême droite, on se brûle. Et comme d'habitude, ça a simplement renforcé l'extrême droite. Et on a des territoires entiers qui sont aujourd'hui représentés par des parlementaires d'extrême droite. Et ça a continué à l'Assemblée nationale. Ils ne se sont pas arrêtés. Et c'est pour ça que moi, je suis là aussi très inquiet. La question, c'est qu'est-ce que ça change ? Ce n'était pas juste un petit calcul cynique électoral pour faire élire quelques députés RN, parce qu'on trouve que c'est plus confortable d'avoir une opposition RN et d'être au second tour face à Le Pen que d'être au second tour face à la gauche et aux écologistes, ou d'avoir une opposition ou une majorité alternative de gauche et écologiste. C'est que c'est un choix politique qui a été fait de tout saccager sur leur passage. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une irresponsabilité, une immaturité historique dans le macronisme qui les conduit aujourd'hui à tout abîmer sur leur passage et Sandra le disait, elle avait raison, le choix politique de légitimer et de renforcer l'extrême droite au Parlement. Ça a été le cas sur les vice-présidents, j'y reviens pas, et moi je suis très fier et je veux remercier nos co-présidents de groupe qui ont porté cette position auprès des autres groupes et c'était pas simple, qui ont assumé cette position-là. Je suis très fier qu'avec Sandrine Rousseau, nous ayons pris nos responsabilités, on se soit présenté et on ait dit à la majorité, en fait vous avez le choix, là vous pouvez faire à l'Assemblée nationale le barrage que nous avons fait sans aucune ambiguïté. Sans aucune ambiguïté, je tiens à le redire ici, puisque Yannick est là, moi je suis très fier là aussi que face à l'extrême droite, notre candidat, dès 20h01, est appelé à faire barrage parce qu'on ne transige jamais, jamais avec l'extrême droite. Et c'est dans l'identité des écologistes. Et donc nous avons dit, si Emmanuel Macron a été élu en 2017 et réélu en 2022, si vous êtes là, c'est parce que des millions de gens dans ce pays ont préféré voter et préfèrent voter n'importe qui plutôt que l'extrême droite et ont permis à Emmanuel Macron d'être élu et réélu par défaut à deux reprises dans l'histoire de notre République, ce qui est une première. Donc maintenant, montrez à ces électeurs, montrez au pays qui s'est mobilisé que vous entendez ce message et que dans le barrage contre l'extrême droite, nous sommes tous ensemble. Ils ne l'ont pas fait. Ça m'amène à une réflexion et je termine par ça, parce qu'il ne suffit pas de le dénoncer et on va le dénoncer. Il ne suffit pas de vociférer et on va vociférer, on le fait plutôt bien, d'ailleurs je trouve, et j'en prends ma part. Il ne suffit pas de faire ça. Je le dis, je pèse mes mots. Sur nos épaules, à nous, la gauche et les écologistes, repose le poids entier d'une digue à reconstruire, puisque plus personne n'est là pour la reconstruire. Sandra a rappelé tout à l'heure ce qu'est la surenchère, le concours Lépine aux propositions d'extrême droite. Ils reprennent trop souvent les thèmes et les termes de l'extrême droite. Ils disent que c'est pour la combattre, en réalité, ça la renforce. Cette responsabilité, elle a un nom, c'est l'unité. Et ce que nous avons construit avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je sais que ça fera débat dans ces journées d'été, je sais que ça fera débat dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent entre nous, donc je le dis parce que la sincérité est la clé de l'amitié. Il n'y a pas une stratégie politique au Parlement ou vis-à-vis de nos partis, à l'extérieur, vis-à-vis des élections qui viennent. Il n'y a pas une stratégie politique qui peut faire l'économie de ce présupposé, Le Pen est aux portes du pouvoir. Il est minuit moins une. Jamais au second tour d'une élection présidentielle, il y a eu autant de voix qui se sont portées sur l'extrême droite. C'est 13 millions. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu autant de parlementaires d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Si on n'intègre pas ça dans tous nos choix stratégiques, dans tous nos choix politiques, alors à l'effondrement climatique, à l'effondrement social, s'ajoutera un effondrement démocratique. Parce que ne croyons pas, parce qu'ils ont une stratégie, et je termine par ça, promis d'un mot. Parce que moi, je crois qu'il n'y a aucun désaccord, tout important qu'il soit majeur, et on en a avec nos partenaires qui justifient qu'on prenne ce risque-là. Parce qu'ils ont une stratégie à l'Assemblée nationale. Ils sont tout propres sur eux. Et effectivement, ils crient moins que nous.
ils s'énervent maintes fois, même parfois, ils votent les textes du gouvernement ou ils s'abstiennent pour les laisser passer, etc. etc. Moi, je ne crie pas à la combine, forcément, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Pourquoi ils font ça? Pour s'acheter une bonne image. Mais pourquoi ça fait des années qu'ils se battent? Pourquoi ils ont gardé ce parti fondé par d'anciens collabos? C'est pour un projet politique. Et on sait bien que s'ils arrivent au pouvoir, le projet politique qu'ils mettront en place, c'est celui qu'ont mis en place des Trump, des Bolsonaro, que risque de mettre en place une Meloni en Italie. C'est ça aujourd'hui le risque. Alors, je termine par ça, je termine avec ces mots d'Aragon qui, moi, doivent guider tout ce qu'on fait à l'Assemblée avec nos partenaires de la NUPES. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Soyons, chérissons cette unité qui nous a permis d'être là, qui, à la fin, c'est eux ou nous, c'est le fascisme ou l'écologie et la gauche. Merci beaucoup, Benjamin. Lucas, autour de Christine Arrigui, et tu as fait la transition avec le thème qu'on voulait aborder. Christine Arrigui, députée de Toulouse, députée écolo, on n'entend rien. Députée écolo NUPES, comme il y a donc un groupe écologiste NUPES, comme il y a la LFI NUPES, le Parti communiste NUPES, le Parti socialiste NUPES, on a fait le choix d'avoir NUPES dans les quatre groupes. Tu sièges littéralement au milieu dans l'hémicycle de tous ces quatre groupes, ces quatre groupes qui nous permettent d'avoir une force de frappe démultipliée. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, ce travail d'écologiste, évidemment, au sein d'une coalition, la NUPES. Ben bonjour à toutes et tous, et puis bonjour Toulouse, j'ai entendu des cris, alors voilà, super. Alors pour ceux qui croiraient que le groupe écologie n'est pas organisé, je vous explique comment ça s'est passé pour aujourd'hui. On nous a dit, vous avez 4 minutes, vous passez par série, vous voyez avec qui vous allez passer, et Cériel nous a envoyé un message, donc vous choisissez votre sujet, ou sinon on vous dira de quoi vous allez parler. Donc vous voyez, on est super bien organisé, donc j'ai choisi mon sujet, voilà. J'ai choisi mon sujet et du coup, certains qui se reconnaîtront ici m'ont dit « Oh là là, Christine, tu es joueuse. Tu vas voir entre les pro-NUPES, les anti-NUPES, ceux qui n'ont pas vraiment d'avis, ceux qui ne vivent pas bien, ceux qui, à la fin de ton intervention, ça va être la guerre. Les Orias, les Curias, non, ça n'avait pas été rajouté, mais enfin bon. Mais en fait, ce n'est pas la question que je suis joueuse, c'est que je suis ambitieuse pour l'écologie et pour l'écologie politique. » Alors moi, je fais partie de celles et ceux qui, en 2017, après la splendide défaite ou la presque victoire, selon de quel côté on se place au terme parti de Jean-Luc Mélenchon, j'ai énormément regretté qu'il ne se soit rien passé. Et donc, du coup, comme il ne s'est rien passé, eh bien, le résultat, ça a été une majorité absolue pour Macron, donc d'autres que moi en ont parlé. Ça a été strictement aucune avancée, que des reculades sociales, environnementales, et je ne vous fais pas la liste, démocratiques. Et c'est extrêmement important par rapport à ce qu'a dit Benjamin, parce que ça préparait ces 5 ans ce qui se passe aujourd'hui. Et également donc la colère sociale et le clivage de société qui a donné le résultat que l'on connaît. Donc lorsqu'en 2022, après la deuxième splendide défaite, et donc surtout lorsqu'il a été annoncé que peut-être on pourrait se réunir, nous, les forces de gauche écologistes, j'ai applaudi dès demain, parce que nous avions l'expérience des municipales. Et partout où nous avons gagné pour les municipales, quelles que soient les alliances qui ont été formées, quel que soit le fait qu'elle soit à géométrie variable, selon les endroits ou ailleurs, eh bien, c'était parce qu'il y a eu des alliances, n'est-ce pas? Il est parti, le maire de Grenoble est parti, il nous a laissé. Bon. Il est là? Bon. Voilà. Donc, cette expérience des municipales, moi, m'avait convaincue qu'en effet, nous ne pourrions gagner que si nous faisions des alliances. Et donc, j'ai applaudi dès demain NUPES et j'y vois maintenant 4 points positifs. Alors, d'abord, des députés écologistes à l'Assemblée, 23, ce n'est pas rien. C'est la première fois que nous avons un si grand groupe à l'Assemblée. Et je le répète, c'est important, des députés écologistes, pas que simplement Europe Écologie Les Verts, mais également Génération.S, également Génération Écologie, et également d'autres qui sont arrivés, Nouveau Démocrate, il est où? Il est là. Voilà, j'allais parler de toi. Et d'autres qui sont arrivés par des chemins plus détournés, mais qui nous ont rejoints et on s'en félicite. Ensuite, autre point positif par rapport à NUPES, c'est qu'il y a eu un accord, certes électoral, mais également un accord programmatique. Et en réalité,
Ce qui est le plus important dans cet accord programmatique, ce n'est pas ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, parce que nous le savions à peu près, mais ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, et de l'avoir dit, de l'avoir exprimé et de l'avoir écrit. Ce qui évite, du coup, à l'Assemblée, lorsque nous n'avons pas le même vote, et je cite l'exemple, la Suède et la Finlande qui demandent à rejoindre l'OTAN, nous n'avons pas voté du tout pareil au sein de la NUPES, nous n'avons pas voté du tout pareil que la France insoumise, il n'y a pas eu de psychodrame. Il ne s'est rien passé, ni dans notre groupe, ni dans la remise en cause de notre accord, ni dans les médias, ni à quelque niveau que ce soit. Et donc l'accord vaut surtout, et je pense aux Européennes, vaut surtout sur ce sur quoi nous ne nous sommes pas mis d'accord. Tu es joueuse. Je suis joueuse. Non, parce que ça prépare les échanges d'après. Et enfin, dernier élément, point positif du NUPES, c'est une force qui dérange à l'Assemblée. J'ai noté que le LREM ne dit jamais, c'est le mot tabou pour eux, ne dit jamais NUPES. Il renvoie toujours dos à dos la France insoumise avec le Rassemblement national, jouant ainsi de la confusion qu'il pourrait faire de l'extrême droite telle que l'a décrite Benjamin Lucas. Et à ce titre-là, moi, je n'ose encore pas toujours dire bonjour à quelqu'un qui me sourit à la buvette, parce que je me dis, si l'extrême droite, tu ne vois pas un peu... Enfin bref, je ne les connais pas, je ne les ai pas encore tous connus, donc j'ai dit bonjour. Voilà, si je ne te connais pas, je ne te dis pas bonjour. Bref, et donc c'est une force qui dérange, et également, c'est un mot tabou pour LREM, mais on voit bien que cela devient un mot totem pour France Insoumise. Et alors justement, on en arrive à la suite. Et donc la suite, c'est pour l'avenir. Et donc pour l'avenir et pour les prochaines échéances. Alors, c'est plus facile là où nous avons des élus de défendre le Parlement de la NUPES ou le Parlement, moi, de la 9e circonscription sur Toulouse. C'est plus facile quand on a des élus régionaux, des élus départementaux, des élus municipaux ou sénateurs ou Assemblée nationale, de faire vivre cette alliance sur le terrain, parce que la NUPES a permis de construire des ponts. Des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis 20 ans. Enfin, moi, sur la circo où je suis, il y a des gens qui ne s'étaient plus parlé depuis 20 ans, des anciens frères ennemis d'un parti, issus d'un même parti, et qui se sont retrouvés. Et moi, ça me paraît extrêmement important que de créer et de continuer à créer ces ponts. Ça sera plus facile là, et ça sera beaucoup moins facile, effectivement, dans les territoires où il n'y a pas d'élus, de quelque niveau que ce soit, au niveau des collectivités ou de l'Assemblée ou du Parlement. Et à ce titre-là, c'est du coup extrêmement important que cette force NUPES de l'Assemblée nationale devienne la force des écologistes sur les territoires. Et c'est justement le grand enjeu de notre, alors je vais dire tous les mots, comme ça personne ne sera fâché, reconstruction, refondation, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Régénération, non, renationalisation, c'est pour EDF, mais ça, c'était recapitalisation pour le nucléaire, donc on n'en parle pas, Jérémy, voilà. Et donc, c'est extrêmement important que notre force écologiste se construise, se renforce, s'élargisse, que nous ouvrions les fenêtres et les portes. Et nous l'avons dit plein de fois, mais il faut que nous le fassions, il y a urgence, c'est un devoir, c'est une obligation. Et je compte sur plein de ceux qui sont dans cette salle pour agir en ce sens, pour qu'ils portent et qu'ils aident les militantes du terrain avec un parti fort écologiste. Voilà. Bravo. Merci Christine Arrigui. Bon, qui sait que... Bon, alors, s'il y a encore des fâchés, là, bon, on parle après. Par la buvette. On change de table, c'est ça. Donc, merci à tous et toutes. J'appelle Nicolas, Julie, Aurélien, Hubert, Eva, et pendant ce temps-là, il y a donc deux vidéos, parce qu'il faut qu'on excuse, on l'a dit, Sébastien Pétavi, on est heureux d'avoir un mot de sa part, et Sabrina Sebaï, qui est, accrochez-vous, qui est en délégation officielle en Algérie avec le président de la République, rien que ça. Sébastien Pétavi, si on peut démarrer la vidéo, député de Dordogne. Bonjour, chers amis, chers camarades. Cet été, je le crois profondément, nous aura rappelé à tous notre fragilité. La mienne, avec une hospitalisation qui dure depuis 2 mois, et m'oblige à m'adresser à vous depuis ce décor un peu singulier, ma chambre d'hôpital que j'occupe depuis la fin du mois de juin. La nôtre, face aux incendies, à la sécheresse, aux tempêtes et aux orages violents, celle de notre planète, notre habitat, de notre écosystème.
En 2020, cette vulnérabilité que notre société de la toute-puissance est vertuée à cacher, au même titre que la mort ou encore la maladie, s'imposait à nous comme une évidence. Qui aurait pu imaginer que près de la moitié de l'humanité se retrouverait ainsi confinée? À cet instant, toutes et tous, nous avons ressenti ce besoin de faire à nouveau société et de refaire de la solidarité et de l'écologie les boussoles de notre politique publique. Nous redécouvrions avec humilité que nous ne sommes ni plus ni moins qu'un élément du vivant. Nous pensions que plus rien ne serait jamais comme avant à cet instant. Si une seule chose positive devait ressortir de cette pandémie mondiale, c'était une prise de conscience collective de la nécessité d'un changement radical. Il y a 2 ans, nous applaudissions les soignantes et les soignants. Nous reconnaissions que les métiers les plus essentiels au fonctionnement de la société étaient les plus mal payés. Nous ouvrions les yeux sur l'absurdité de nos modes de vie, de nos modes de production et de nos modes de consommation. Et qu'en est-il aujourd'hui? Rien. Pourtant, nous ne venons pas seulement au monde pour travailler, cotiser, produire, consommer. Nous venons pour vivre, et vivre pleinement. Et devant cette prise de conscience, devant les changements radicaux que nous devons entreprendre pour effectuer notre transition écologique et sociale, il nous faut une boussole. Et la mienne sera celle de la dignité. Chacune et chacun d'entre nous a le droit de vivre dignement. Vivre dignement, c'est permettre que toutes et tous aient accès à l'éducation. Vivre dignement, c'est avoir accès aux soins pour toutes et tous, quel que soit l'âge, la pathologie ou le handicap sur l'ensemble du territoire. Ainsi, vivre dignement, c'est prendre soin de nos services publics, qu'il s'agisse de l'école ou de l'hôpital, principaux facteurs de lutte contre les inégalités. Vivre dignement, c'est être correctement rémunéré de son travail et assurer à chacun un revenu de base lui permettant son émancipation. Vivre dignement, c'est pouvoir se loger et bien se loger. Vivre dignement, c'est pouvoir manger à sa faim chaque jour et pouvoir bien manger. Vivre dignement, c'est pouvoir se chauffer. C'est reconstruire notre souveraineté pour ne plus être dépendant d'un digne chef d'État. Vivre dignement, c'est pouvoir vivre sur une planète vivante et vivable. En 2021, les 1% les plus riches de la planète ont émis 17% du CO2, plus que la moitié la plus pauvre de la population. En 2022, cet été, les classes moyennes et populaires qui partent en vacances près des cours d'eau de notre pays n'y auront trouvé que sable et cailloux quand les plus fortunés prenaient leur jet privé pour sillonner les plus belles plages du monde qui n'existeront peut-être plus demain. Vivre dignement, c'est aussi et avant tout lutter contre le dernier acte qui finira par enclencher cette guerre rampante des riches contre les pauvres, le réchauffement climatique. C'est en reconnaissant d'abord notre propre fragilité, notre propre vulnérabilité, mais aussi celle encourue par celles et ceux qui nous entourent, que nous retrouverons le chemin vers une vie à l'équilibre avec le vivant et que nous prendrons à nouveau soin du lien social. Car il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Ce droit à la vie digne sera la boussole de mon mandat. Notre société trouve toutes les justifications aux inégalités sociales, économiques et climatiques. Reconnaître le droit à la vie digne, c'est relever la tête et les refuser. Je crois que c'est notre rôle d'élus et de députés. Ainsi, pour tous les textes à venir, projet de loi finance, de financement de la sécurité sociale, réforme de l'assurance chômage et des retraites, transition énergétique, non seulement je résisterai à ce logiciel économique et social qui a confisqué le pouvoir et écrase les plus vulnérables d'entre nous, mais je proposerai aussi, par amendement ou en proposant des lois, une autre voie. Celle de l'égalité réelle, qui assure à chacune et à chacun une vie digne d'être vécue, et non une vie confisquée au nom d'une société productiviste, elle-même au service d'une croissance infinie. Voilà, merci. Donc on va recommencer, on a beaucoup parlé de cet été de l'enjeu climatique, on va dire malheureusement, un malheur n'arrivant jamais seul, cette hausse du climat, elle s'accompagne également d'un effondrement de la biodiversité, qui est tout aussi dramatique, mais qui fait un peu moins la une de l'actualité. Donc la première question, c'est finalement face à cet effondrement du vivant, quel est le rôle des parlementaires écologistes ? Merci Cyrielle, bonjour à toutes et tous. En effet, quand on parle de biodiversité, on parle de vivant et on parle aussi de son effondrement à grande vitesse. Et c'est en effet
un sujet qui est sous les radars politiques et médiatiques. C'est un sujet qui est peu ou maltraité, alors que c'est une facette de la crise écologique qui est absolument majeure et même probablement une menace qui risque de nous impacter à encore beaucoup plus court terme que le climat. Vous avez quelques chiffres en tête, on les connaît tous, mais il faut toujours les rappeler. On a un tiers des oiseaux qui ont disparu en 15 ans, on a 80% des insectes volants en 30 ans, on a deux tiers des gros poissons dans l'océan qui ont disparu également en 3 décennies. Moi, j'ai 46 ans, donc depuis que je suis né, c'est 60% des vertébrés qui ont disparu de la surface de la planète. Donc, c'est finalement tout le tissu du vivant qui est en train de s'étioler. Et la première, pour répondre à ta question, Cyrielle, la première chose que les députés écologistes, mais que les élus écologistes peuvent et doivent faire, c'est que quand on parle de crise écologique, il faut que nous soyons rigoureux, que l'on ne parle pas que de climat, on ajoute aussi la crise de la biodiversité. Parce que si nous, qu'en effet, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal de penser que la disparition de la vie sur Terre, c'est finalement un débat politique secondaire. Et c'est traité comme ça. C'est malheureux. Alors il y a plusieurs explications à ça. Donc une, quand on voit les libéraux, les gouvernements successifs, la droite, ils abordent très peu ce sujet. Pourquoi ? Parce que quand on parle climat, vous pouvez faire l'illusion, je dis bien l'illusion, dans le débat public, en répondant uniquement avec des innovations technologiques. Évidemment, on sait que ça ne marche pas, et si d'ailleurs vous commencez à nuancer, vous êtes traité d'anti-progrès, le débat est anesthésié, et on passe à autre chose. Quand on parle biodiversité, vous ne pouvez pas dégainer l'avion vert, la centrale nucléaire ou les filières industrielles. La première chose dont a besoin la vie pour se déployer, c'est de l'espace, et d'un espace préservé. Donc ça ne signifie quoi ? Que quand on vit dans un monde clos et qu'il faut partager l'espace avec du vivant non humain, forcément ça veut dire qu'il faut avoir un projet politique qui soit basé sur la frugalité ou la sobriété. Et évidemment, on en est extrêmement loin. Donc je le redis, vraiment j'insiste là-dessus, il faut qu'on soit rigoureux. Et le premier rôle des députés écologistes, parce qu'on va avoir une force de frappe médiatique importante, mais de tous les élus, même locaux, c'est vraiment, quand on parle de crise écologique, toujours à mettre la biodiversité au même niveau que la question climatique. Ça, c'est le sujet. Allez-y, n'hésitez pas. Ça, c'est le sujet débat public, prise de parole politique, qui est très important. Après, évidemment, il faut traiter le sujet sur le fond. Et là, il y a une bonne nouvelle, parce qu'il faut bien qu'il y en ait quelques-unes. C'est que l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, pour le dire très rapidement, a parfaitement identifié les raisons pour lesquelles le vivant disparaissait. Il y a 5 raisons. La première, je les passe très rapidement, la première, c'est la destruction des habitats naturels. La deuxième, c'est la pollution des écosystèmes. La troisième, c'est la surexploitation des espèces. La quatrième, c'est les espaces invasifs. Et la dernière, qui est un facteur aggravant, c'est le dérèglement climatique. Donc pour le dire très vite, on pourrait rentrer dans... J'ai 3 minutes, donc je m'arrête là. On pourrait rentrer dans le détail, mais déjà, on sait exactement ce contre quoi on doit lutter si on veut préserver la vie sur cette planète. On connaît les causes, on connaît les conséquences. Aujourd'hui, je ne rappelle pas les chiffres. Donc en fait, on a finalement notre feuille de route en tant qu'écologiste sur ce sujet. Et vraiment, on va avoir dès la rentrée également des sujets, des textes importants. On parlera, je pense, sur le projet de loi de finances qui va déterminer tout l'argent public qui va être octroyé par l'État l'année prochaine. Donc là, sur toutes les raisons que j'ai évoquées, il va falloir être très vigilant pour qu'on agisse là-dessus. Et un sujet qui va être probablement plus délicat, mais très intéressant, à la rentrée, on va avoir un texte sur le déploiement des énergies renouvelables. Et là, en tant qu'écologiste, il va falloir justement qu'on trouve un chemin de crête et un équilibre entre production d'énergie propre et biodiversité. Et ça, ça va être notre rôle, parce qu'encore une fois, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Merci. Eh bien, la transition, oui, effectivement, on commence le travail parlementaire sur les énergies renouvelables, mais on le sait, la question de l'énergie va être au cœur de cet hiver par les prix, par potentiellement un manque d'approvisionnement. Julie, aujourd'hui, quelles peuvent être les propositions des écologistes sur cette question énergétique qui sont quand même au cœur de nos combats maintenant depuis de nombreuses années ?
Merci Cyrielle. Alors les propositions, je pense que ça fait 40, 50 ans qu'on les travaille ensemble. On l'a vu, on a gagné des batailles électorales et des collectivités où on a pu les mettre en œuvre aussi, démontrer que la transition écologique et la transition énergétique, elle est possible, que c'est possible et plus rentable pour un territoire d'installer des énergies citoyennes renouvelables pour que les énergies renouvelables elles-mêmes ne soient pas non plus que accaparées par des grands groupes industriels, même si on a aussi besoin de développement technologique en la matière. Mais on a donc démontré que c'était possible. Aujourd'hui, on a besoin, et on le voit bien, dans cette crise énergétique qu'on voyait poindre, bien sûr, la guerre en Ukraine a accéléré les conséquences de cette impréparation, j'ai envie de dire, énergétique, pour reprendre la formulation que Pierre Urmic avait utilisée au début du déclenchement de la guerre. On voit bien le lien évident entre énergie et réchauffement climatique et les conflits armés. Et il avait parlé alors d'émissions de gaz à effet de guerre, et on en voit aujourd'hui toute la réalité. Les conséquences aujourd'hui, elles sont nombreuses. Elles sont bien sûr l'augmentation ou l'explosion des prix de l'énergie, alors qu'on a déjà 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires énergétiques et aucun investissement ou plan d'investissement au-delà des effets d'annonce est concrètement réalisé. Les élus locaux font ce qu'ils peuvent pour investir là où ils peuvent pour cela. Mais on a dans cette impréparation énergétique un autre danger, c'est de gagner une bataille culturelle sur non pas la fin de l'abondance ou la sobriété, parce que de nombreux de nos concitoyens vivent déjà et n'ont jamais vécu dans une abondance. 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique, une personne, un Français ou une Française sur cinq qui ne peut pas se chauffer cet hiver. On voit bien qu'avec l'explosion des prix cet hiver, qui a déjà démarré, on va à l'abord d'une crise, ou en tout cas le fait que l'énergie soit un bien commun n'est plus une chose ou une réalité dans un pays quand même riche comme la France. Alors cette bataille culturelle, on a besoin de la gagner. Je vous raconte une anecdote par rapport à un sujet qui nous est cher, et je pense, et là aussi, on est 23 députés écologistes à l'Assemblée nationale, où vous avez pu mesurer peut-être là par nos prises de parole notre détermination à agir et à transformer les choses de manière concrète. Pour autant, on ne pourra pas faire sans une pression de la société civile. Et là, que ce soit les élus locaux, mais chaque militant, à travers chaque campagne, a besoin aussi, nous avons besoin de vous, pour porter et faire bouger la société civile sur la culture énergétique française qui est prédominée par une chose qui est le nucléaire. Nous avons pu le mesurer à travers les débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale. L'impréparation, quand on voit que 26 réacteurs sur 58 sont fermés, que les centrales sont vieillissantes, que le niveau d'eau baisse, qu'on ne sait pas comment construire de nouveaux réacteurs, et c'est là où vont des milliards et milliards d'euros d'investissements, de recherche et de développement, alors qu'on pourrait les développer dans la rénovation énergétique et thermique des logements et dans les transports, puisque continuer à faire en sorte que nous dépendons de la voiture individuelle, parce que non, nous ne pouvons pas nous déplacer partout en France sans avoir recours à la voiture, est quelque chose qui est non seulement criminel d'un point de vue climatique, mais qui est aussi complètement inconscient d'un point de vue du bon sens qu'on a du mal à faire passer. Et donc cette bataille sur le nucléaire, quand j'entends des députés de La République En Marche avec qui on peut essayer d'avoir des échanges pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, qu'ils donnent plus de crédit à quelqu'un comme Jean-Philippe Tanguy, qui est un député du Rassemblement National, parce que sur sa fiche Wikipédia, il y a marqué qu'à Sciences Po Paris, il avait fait des études énergétiques et qu'il est qualifié comme expert énergétique. Je pense que là, on est dans un rassemblement, une conjonction de croyants dans quelque chose qui n'existe pas. Nous le savons, le nucléaire ne sauvera ni la planète, ni nos factures énergétiques, ni le climat. Et donc oui, nous serons là, force de proposition, pour convaincre, même si la tâche s'annonce ardue, pour redonner, pour le coup, de la liberté, libérer les gens des énergies fossiles et libérer aussi leurs charges quotidiennes avec cela. Mais nous avons besoin de tout le mouvement, d'amplifier le changement de paradigme culturel sur la question énergétique,
de manière globale et générale. C'est que comme ça qu'on arrivera à faire bouger les consciences au-delà des seuls convaincus. Alors, face à cette question énergétique, bien avant son épiphanie, Emmanuel Macron a rencontré notamment des dictateurs pour des questions de pétrole. La question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle politique étrangère on peut avoir qui serait une politique respectueuse des droits humains et une politique étrangère, finalement, du climat. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être à nouveau cette année avec vous. La France, elle occupe une place singulière sur la scène internationale. C'est vrai qu'elle a, par des actions, par des politiques publiques, souvent par des symboles, parfois par des discours non suivis des faits, en tout cas, elle a joui pendant longtemps d'une place singulière, la France défenseur des opprimés, défenseur qui, d'une planète qui brûle comme quand nous regardons ailleurs. Mais aujourd'hui, la place singulière de la France sur la scène internationale, c'est malheureusement de plus en plus la politique du cynisme. Et effectivement, Emmanuel Macron recevait il y a quelques semaines MBS, commanditaire du meurtre contre Jamal Khashoggi, MBS qui enferme des prisonniers d'opinion en Arabie Saoudite. Et on l'a un peu moins dit. Une semaine avant, il recevait son compère MBZ des Émirats Arabes Unis, qui lui aussi enferme des prisonniers politiques, qui lui aussi bombarde le Yémen avec des armes qu'on lui vend. Et dans la même semaine, on votait à l'Assemblée nationale, effectivement, un soutien à l'organisation de la Coupe du monde de football par le Qatar. Donc, vous voyez, là, je vous parle du Golfe. Parce que, ce dont vous vous souvenez peut-être pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu moins d'un an, Emmanuel Macron était avec Jean-Yves Le Drian, avec la ministre des Armées et d'autres, dans une tournée du Golfe pour effectivement aller à la fois vendre beaucoup des compétences françaises, mais surtout leur vendre des armes, 80 rafales, des rafales qui sont utilisées dans la guerre au Yémen, qualifiée par les Nations Unies de pire catastrophe humanitaire. Je vous parle du Golfe, mais je pourrais vous parler de l'Afrique, où effectivement, depuis le discours de Ouagadougou de 2017, eh bien, on a vu un chef d'État qui a soutenu des réélections totalement controversées de chefs d'État, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, avec des chefs d'État qui ont jouer avec leur constitution pour se représenter. On a vu un Emmanuel Macron adouber le fils de Déby au Tchad qui s'est déclaré chef de l'État sans même processus électoral. Et derrière cela, vous voyez, il y a un mépris des Africains. Il y a au fond l'idée, et moi je l'ai ressenti dans les discours notamment du ministre de l'époque, il y a quand même l'idée, vous savez, c'était la vieille phrase de Chirac, je crois, il y a peut-être plus de 20 ans maintenant, que la démocratie, c'est un peu un luxe pour les Africains. Et je crois qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est aujourd'hui, pas seulement la jeunesse africaine, mais tout simplement la société civile africaine qui a soif de démocratie et qui n'en peut plus de voir la France soutenir des dictateurs ou soutenir des chefs d'État qui jouent avec les processus démocratiques. Je pourrais continuer, au fond, effectivement, le tour du monde. Regardez au Proche-Orient. Quelle a été l'initiative de la France depuis 2017 face au conflit israélo-palestinien, face à la volonté à un moment de Benjamin Netanyahou d'annexer purement et simplement la vallée du Jourdain? Qu'est-ce qu'il y a à part réaffirmer que la France est pour la solution à deux États avec Jérusalem comme capitale commune des deux États? Rien du tout, aucune initiative. Je pourrais continuer effectivement avec le silence face au génocide contre les Ouïghours en Chine. Mais je voudrais vous parler d'un sujet qui m'a à la fois révolté et bouleversé, qui aujourd'hui, la France, effectivement, par manque de courage, eh bien, tout simplement, abandonne ses enfants au Kurdistan. Parce qu'il y a aujourd'hui 150 enfants français dont le seul crime a été d'être né de parents qui ont choisi d'aller faire le djihad en Syrie.
Et aujourd'hui, ces enfants sont abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sondage en 2019 qui disait que les Français, c'était un sondage BFM, étaient contre le rapatriement des enfants. Donc aujourd'hui, on a toute l'Europe, même les pays d'Asie centrale, qui rapatrient les enfants de leurs compatriotes qui sont allés faire la guerre en Syrie. Et nous, on abandonne les enfants. C'est une honte absolue. La France a abandonné ses enfants. Et à la fois, vous savez, il n'y a pas que des raisons humanitaires qui nous obligent à rapatrier nos enfants. Il y a même les professionnels du contre-terrorisme qui le disent. Parce qu'aujourd'hui, en abandonnant des enfants, effectivement, on les laisse aux mains de Daesh. Et dans quel état vont-ils revenir quand ils un jour sortiront jeunes adultes de ces camps ? Donc, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, on a effectivement une politique étrangère qui ne peut plus être qualifiée de singulière sur la scène internationale, si ce n'est par son cynisme et un cynisme assumé. Hein. Tout à l'heure, Sandra parlait disait que ce n'est pas seulement de la passivité. La France, ça s'applique aussi sur la scène internationale. C'est évidemment une politique qui est assumée. Donc, quelle politique étrangère, nous, on doit défendre les écologistes ? Évidemment qu'on ne peut pas parler qu'aux démocrates. Bien sûr qu'on doit parler à tout le monde. On n'est pas obligé de parler à Kim Jong-un, on n'est pas obligé, effectivement, d'accueillir MBS. Oui, oui, je termine, pardon, je termine. Je ne pensais pas que j'étais si long, pardon. Ouais, c'est ça, voilà. Je termine parce que, comme je crois que dans notre politique étrangère, on doit avoir un agenda. L'agenda, c'est la défense de la souveraineté, de la démocratie, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Effectivement, des droits humains, aussi des droits de la nature, mais je pense que ce sera un sujet qui sera débattu pendant ces trois jours. Donc, avoir du courage, évidemment, vendre moins d'armes, mais ça nous permet de retrouver notre honneur. Et à travers retrouver notre honneur, c'est aussi retrouver l'influence, parce que l'influence de la France dans le monde, c'est d'abord la défense des droits humains. Je vous remercie. Je sais que le temps file. Il nous reste quand même deux questions très importantes. La première, c'est à Eva Sass, qui a été députée de 2012 à 2017 à la Commission des finances, qui revient avec son expertise sur ces questions dans notre groupe. Et donc aujourd'hui, Eva, quels sont les principaux enjeux économiques et sociaux du quinquennat ? Alors, en très résumé sur les objectifs, parce qu'ils sont extrêmement importants, mais voilà, on sait que ça va être des questions importantes qui l'ont déjà été et qui vont l'être encore dans les mois et les années qui viennent. Merci Cyrielle. Alors oui, les enjeux économiques et sociaux en 3 minutes. C'est un défi, hein. C'est mieux que ma thèse en 80 secondes. Alors, j'aurais pu vous parler des nouveaux indicateurs de richesse, je ne sais pas si Lisa est encore là, mais merci d'avoir rappelé quand même cette loi de 2015 sur laquelle effectivement nous allons revenir. Et nous avons déjà commencé à mettre la pression sur Gabriel Attal qui s'est engagé à republier le rapport de nouveaux indicateurs de richesse. Je pense que c'est vraiment pour le coup... des indicateurs qui seraient particulièrement adaptés parce que c'est le moment de changer de logiciel. Mais j'ai choisi d'abord de vous parler d'un enjeu de finances publiques et notamment du financement de la transition écologique et des services publics. Parce qu'on est face à un gouvernement qui a finalement un logiciel de pensée économique très basique de droite. Baisse des impôts, retour à l'équilibre budgétaire en dessous des 3% en 2027 et donc pression sur les dépenses publiques. Les seules dépenses budgétaires qui vont augmenter dans ce PLF 2023, en tout cas pour ce qu'on en connaît pour l'instant, ce sont les ministères qui sont protégés en quelque sorte par une loi de programmation, la loi de programmation militaire, celle de la recherche, celle de la justice ou celle de l'intérieur, mais tous les autres postes vont être mis en danger. Et particulièrement, donc moi je pense aux services publics et je pense à l'hôpital et je pense à l'éducation nationale. Je pense qu'il va falloir être très mobilisé sur le financement de l'hôpital et de l'éducation nationale. Nous avions chiffré pendant la campagne qu'il y avait un besoin de financement de 11 milliards pour l'éducation nationale pour la revalorisation du salaire des enseignants, de 20 milliards sur l'hôpital notamment pour recruter 100 000 soignants. Il va falloir qu'on soit mobilisé au PLF et au PLFSS 2023 pour que ces priorités budgétaires soient défendues parce que ce sont nos services publics qui en dépendent. Il y a aussi un risque fort de sous-financement de la transition écologique. On a besoin de 13 à 15 milliards d'euros par an de plus pour la transition
écologique, c'est pour les énergies renouvelables, mais c'est aussi le plan de rénovation performante que nous voulons lancer. C'est aussi, on en a parlé cet été, le ferroviaire avec Farandou qui nous demande 100 milliards d'euros sur 15 ans. Il faut soutenir cette demande de Jean-Pierre Farandou pour la rénovation des petites lignes, pour le traitement des nœuds ferroviaires, pour les RER métropolitains, parce que quand on parle d'alternatives à la voiture, on a besoin de construire ces alternatives. Donc, il faut absolument soutenir Jean-Pierre Farandou dans sa demande de financement public supplémentaire. C'est aussi ce dont on a parlé cet été, le ticket climat qui a été mis en place en Autriche et qui a été mis en place en Allemagne surtout et en Espagne à la rentrée. Une belle proposition de liberté pour les jeunes et pour les moins jeunes d'utilisation de toutes les lignes régionales avec un forfait qui pourrait être très modeste, entre 30 et 50 euros. Donc, ces propositions, on les a. Il va falloir aller trouver des financements. Et pour ça, on a besoin effectivement de se mobiliser sur les textes budgétaires. Mais il y a un deuxième enjeu, à mon avis, qui est très important, c'est celui du pouvoir d'achat et plus particulièrement de l'augmentation des salaires. Parce que là aussi, on est face à un gouvernement qui a un logiciel de pensée basique, rétrograde, on peut le dire, et qui fait absolument tout pour éviter les augmentations de salaires. Alors qu'on a une inflation à 6,8% et que l'augmentation moyenne des salaires est prévue à 3,1%, vous voyez bien le gap qu'il y a à combler. Et là, on a eu droit, lors de du PLFR et de la loi pouvoir d'achat, au concours Lépine de tout ce qui pouvait être une alternative à l'augmentation de salaire, le triplement de la prime Macron, les heures supplémentaires, même le déblocage de l'épargne salariale de façon anticipée, la monétisation des jours de RTT. Donc, tout était bon à prendre pour éviter que les salariés réclament des augmentations de salaire. Et la suite de cette politique-là, ça va être la réforme de l'assurance chômage. On peut s'attendre à une baisse des allocations, une dégressivité des allocations pour contraindre les gens à accepter ces jobs sous-payés. Et je pense qu'il va falloir absolument qu'on se mobilise, pas seulement d'ailleurs pour les augmentations de salaire, mais j'ai envie de dire pour le travail décent. Ça veut dire un travail, des emplois qui soient correctement payés, mais qui aient aussi du sens. La question du sens du travail est de plus en plus au cœur des demandes des salariés. Ils ont raison. Et aussi des conditions de travail qui soient décentes. Parce que quand il y a des problèmes de recrutement, ce n'est pas parce que les gens sont feignants, c'est parce qu'on leur propose des jobs qui ne sont pas assez rémunérés et qui sont dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on défende. Merci. Il faut qu'on se mobilise auprès des organisations syndicales. Il y aura Philippe Martinez ce soir, on aura l'occasion d'en discuter avec lui, sur la question du travail décent, parce que ce que veut ce gouvernement, c'est limiter les augmentations de salaire et obliger les gens à accepter des jobs sous-payés. Donc voilà un peu, moi, c'était les trois enjeux que je voulais souligner. Le financement de la transition écologique, un dernier mot parce que c'est important. Le financement de la transition écologique, c'est le PLF 2023, mais ça va surtout être au premier semestre 2023, la loi de programmation énergie-climat. C'est un enjeu majeur. C'est vraiment le financement de la transition écologique pour 5 ans. Il va falloir qu'on soit extrêmement mobilisés, qu'on obtienne enfin ces financements pour les grands projets que nous avons pour la transition écologique. Donc, je vous invite tous à nous mobiliser là où nous sommes pour mettre la pression sur le gouvernement pour qu'enfin, on ait les moyens qui sont nécessaires à cette bifurcation écologique, comme on dit, puisque maintenant le monde de l'abondance est terminé, il va falloir prendre les mesures nécessaires. Donc, le financement de la transition écologique, le financement des services publics et un travail décent et des augmentations de salaire. Voilà, merci. Dernier sujet et non des moindres, Charles, tu es engagé depuis de nombreuses années sur la question de la rénovation démocratique, tu l'appelles démocratie permanente. Maintenant élu à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que les écologistes peuvent porter sur cette question ? Bon, alors d'abord, j'ai la responsabilité de clore cette table ronde et de reculer encore de 3 minutes lors de l'apéro. Donc, bravo à vous d'être encore présent dans cette salle, vous méritez des applaudissements. La deuxième chose, je voulais d'abord aussi vous remercier de nous avoir conduits dans ces responsabilités. Éric Piolle le disait en introduction, nous sommes aussi les héritiers des combats écologistes qui ont été menés, mais nous sommes aussi les prédécesseurs de ceux que nous allons continuer à mener. Et c'est une fierté d'être ici avec vous.
Peut-être la question de la démocratie est évidemment un sujet central, mais on passe assez vite sur ce que ça veut dire. Je crois que la démocratie n'est pas simplement la question d'une forme de gouvernement, ce n'est pas qu'une affaire de texte, d'institution qui nous organiserait. Elle est aussi l'état dans lequel nos concitoyens perçoivent finalement leur inscription dans une histoire commune ou pas. D'être dans cette histoire, d'être en dehors de cette histoire. Moi, souvent, j'ai l'habitude de dire que notre responsabilité, c'est de faire vivre la démocratie partout et tout le temps. Et qu'il y a des endroits où on ne se sent plus en démocratie et qu'il y a des moments où on ne se sent plus en démocratie. Et c'est une forme d'état social. Et petit clin d'œil à Marie Toussaint, qui n'intègre pas seulement les humains et à Nicolas, mais qui intègre aussi les non-humains, qui intègre le vivant dans son ensemble. Une fois qu'on a défini la démocratie comme ça, évidemment, un groupe d'écologistes à l'Assemblée nationale peut agir sur cette question de différentes manières. La première, et c'est ce qui nous concerne immédiatement, c'est celle du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et il y a beaucoup à dire. Moi, je suis un nouveau député, je suis encore dans mon rapport d'étonnement. J'écris sur les réseaux, je raconte un peu tout ce que je découvre, la manière dont on vote, 3 secondes pour voter. Le vote est ouvert, le vote est fermé. Donc, quand vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'avez pas le temps de voter. Mais je découvre aussi tous les artifices pour donner tout le pouvoir au gouvernement, à la majorité. Par exemple, ce qu'on appelle la seconde délibération. Vous avez suivi l'amendement sur l'augmentation des retraites de 500 millions à 18 heures. On avait réussi à voter un amendement par surprise. Et puis, le soir, Bruno Le Maire, non satisfait du résultat, et il en a le pouvoir, a fait revoter pour annuler ces 500 millions d'euros. Le règlement de l'Assemblée nationale mérite d'être rénové et nous pourrons mener ce combat. C'est un long chemin. Ça passera par le Conseil constitutionnel pour que cela soit compatible avec la Constitution. Mais nous devons mener ce combat et ce sera un combat pour la rentrée extrêmement important. Le deuxième niveau, nous devons évidemment porter les enjeux démocratiques. Beaucoup de mes collègues l'ont dit. C'est évidemment dans le changement des institutions. Je pense à Jérémy qui a évoqué la séparation des élections législatives et de la présidentielle. C'est un combat à mener. C'est celui de la 6e République que nous avons porté pendant la campagne. Je ne m'étends pas dessus, mais là-dessus, il y a de nombreux combats que nous pouvons mener. Celui de la proportionnelle que les Français ont imposé finalement dans l'hémicycle, mais on voit bien que tous nos fonctionnements ne sont pas basés sur cette proportionnelle et qu'aujourd'hui, il y a plutôt une logique du bipartisme encore présent dans les fonctionnements de l'Assemblée nationale. Et puis, le troisième niveau où nous pouvons porter cette démocratie, c'est dans nos liens avec tous les élus, tous les acteurs des territoires. Ça, c'est essentiel. Je le dis, je donne un exemple. Nos maires aujourd'hui, écolos, vont être confrontés à l'augmentation du prix de l'énergie, vont être confrontés, et c'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, à l'augmentation du point d'indice, sans ressources supplémentaires. Ils auront besoin du combat que nous allons mener à l'Assemblée nationale pour essayer qu'ils aient des ressources pour pouvoir conduire les projets qu'ils veulent porter dans leur territoire. C'est essentiel. Et nous avons à inventer notre capacité à nous articuler. C'est aussi de la démocratie. Ça en fait partie, c'est essentiel. Et puis enfin, cette démocratie, et c'est une de mes responsabilités dans le groupe, pour pousser, non pas pour faire à la place de tout le monde, puisque chaque député va être engagé sur cette question, c'est de faire le lien avec la société civile organisée. Nous avons créé une vice-présidence dédiée à cette question-là. C'est le rendez-vous avec les ONG, c'est le rendez-vous avec les syndicats. C'est aussi, possiblement, j'en suis un défenseur, l'idée du Parlement de la NUPES, même si nous poserons des exigences sur la façon dont il doit fonctionner, mais il me semble que c'est une bonne idée pour faire lien avec la société civile. Donc nous avons là un champ à explorer démocratique extrêmement important. Et puis je termine, chaque député dans sa circonscription pourra aussi porter la rénovation démocratique, dans sa manière de faire, dans sa manière de ne pas être simplement un passeur de plat ou un représentant de tel ou tel combat, mais d'être aussi le facilitateur, d'embarquer les habitants et habitantes de nos circonscriptions. Ici, on met en place des parlements de circonscription, ici des assemblées citoyennes. Moi, je vais engager une enquête populaire sur l'état des services publics et le futur des services publics. Voilà ce que nous pouvons faire, car jamais les écologistes ne réussissent à titre individuel, ils réussissent dans une histoire collective et nous devons être l'incarnation de cette histoire collective. Eh ben, merci beaucoup. C'est ainsi que se clôture cette plénière de présentation. Il nous reste 2 petites vidéos si vous avez encore 3 minutes d'attention. On a 2 députés qui ne sont pas là, mais qui voulaient quand même envoyer un message, c'est Sophie Taillé-Polian et Jean-Claude Roux. Et dans tous les cas, dès que ça se termine, rendez-vous à l'espace apéro. On vous y accueillera avec plaisir et on répondra à toutes vos questions.
Lors d'une séance au Sénat en avril 2013, Madame Cailleux avait qualifié le mariage pour tous et l'adoption ouverte aux couples de même sexe de « réforme de caprice » et de « dessein qui va contre la nature ». Interrogée la semaine dernière, elle a confirmé ses propos. Elle a même, dit-elle, beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Ces gens-là. Ces gens-là. Les forêts qui brûlent laissent nos dernières illusions en cendres. Alors, Madame la Première ministre, vous avez le choix. Soit rejoindre la cohorte honteuse de ceux qui nous ont enfoncés dans la crise écologique, soit être la Première ministre qui affrontera avec lucidité le nouveau régime climatique engendré par un capitalisme financier sans morale et sans limite qui nous mène à notre destruction. Parce qu'il n'y a plus de zone grise possible dans cette nouvelle donne géopolitique. Il y a effectivement la démocratie, la souveraineté qui affrontent l'impérialisme et la dictature. Je crois que personne n'est dupe du double discours qui est en train de se mettre en place. D'un certain côté, on prône le discours, la nouvelle méthode, et de l'autre, on nous insulte dans cet hémicycle. Constamment, régulièrement, tous les jours, les ministres, les députés. Et ces insultes, elles ont une seule raison. C'est qu'en fait, vous n'assumez pas. Si nous sommes l'extrême gauche, alors vous êtes encore le « en même temps » sur lequel vous avez fait campagne. Alors que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, votre politique, elle est à droite. Elle est à droite et c'est là qu'elle regarde. Elle ne protège pas nos concitoyens. Je suis sûre que vous n'êtes pas insensible à la forêt qui brûle en Gironde, au mont d'Arrée qui brûle en Bretagne. Je suis sûre que quand vous voyez des grelons de la taille de balles de tennis qui tombe dans un certain nombre de départements, vous vous demandez ce qui va se passer dans les années à venir, alors que pour l'instant, nous en sommes en France à 1,7 degré de réchauffement climatique. Bonjour à toutes et tous. Désolée de ne pouvoir être parmi vous pour ces journées des écologistes, je ne serai là que demain. Mais avec mes collègues députés du groupe des écologistes, nous avons été très présents dès le début de cette mandature, lors de cette session extraordinaire. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'audiovisuel public, de son financement, de la préservation de son indépendance. Ce sont des sujets majeurs, parce qu'on sait que derrière tout cela, dans un moment où l'information est sous pression de grands groupes, de milliardaires qui sont dans une optique de concentration des médias, eh bien le service public de l'audiovisuel, sa préservation, son financement, son indépendance sont essentiels à notre démocratie. Au sein de la Commission Culture, ça a été notre premier combat, mais il y en aura d'autres. Parce qu'aujourd'hui, la société que nous devons construire, le projet de société des écologistes, comprend bien sûr une très très forte dimension sociale et culturelle. Partager, créer ensemble, trouver les chemins d'un accès à l'art pour tous et toutes, bien, ce sera l'un des enjeux de notre mandat et nous y participerons le plus possible avec toute notre énergie et notre enthousiasme. Bonjour, je suis Jean-Claude Roux, un des 23 députés du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et je vous adresse un salut amical de Nantes vers Grenoble où j'ai le regret de ne pas pouvoir être présent avec vous pour ces JDE. Donc je me rattraperai l'année prochaine, c'est promis. J'en profite aussi pour adresser un salut amical à mes collègues du groupe qui me manquent déjà mais que je vais retrouver très très bientôt. Donc pour me présenter brièvement jusqu'au mois de juin, j'étais maire d'une commune de 4000 habitants en Loire-Atlantique, Saffray en l'occurrence. J'étais également enseignant, lycée professionnel où j'enseignais l'anglais et les lettres. Et donc depuis le mois de juin, je suis député de la 6e circonscription de Loire-Atlantique, qui est une des plus grandes de France, qui est une circonscription largement rurale. Donc, nous avons beaucoup fait campagne sur le thème des ruralités actives. Dans le cadre de mon mandat à l'Assemblée, je siège à la commission Affaires culturelles et éducation, donc avec des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. L'éducation, vous pouvez en comprendre la raison. La culture, le sport, la vie associative, la citoyenneté, la jeunesse.
Donc autant de thématiques qui, que j'ai pu approcher lors de mes mandats précédents et que j'ai envie de défendre. Je suis aussi au sein de la délégation collectivité territoriale, qui s'annonce aussi extrêmement intéressante. Et enfin, je fais partie du groupe de travail sur le thème de la désertification médicale. Mais tout ça n'est évidemment qu'un début. Nous en sommes encore aux prémices de notre action. Donc, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est rendez-vous sans faute l'année prochaine aux journées d'été, où qu'elles soient. Et passez un bon séjour à Grenoble et travaillez bien dans un premier temps. À bientôt. Dans les pays étrangers, un média qui n'a pas de recettes affectées, ce n'est pas un service public de l'audiovisuel, c'est un média d'État. Et cela, c'est grave. Merci. Question pour vous, Madame la Ministre. Est-ce que votre cynisme ira jusqu'à proposer de replanter les 20 000 hectares et le puits carbone qui vient de s'envoler en fumée à cause des émissions de gaz à effet de serre en Gironde pour compenser la hausse des émissions due à la combustion des énergies fossiles? Il faut se désintoxiquer de l'état d'urgence, sanitaire et permanent. Il est grand temps. Nous devons apprendre ensemble, dans cette nouvelle configuration, enfin un peu plus parlementariste, à gérer les crises dans le cadre de l'état de droit et sans état d'exception permanent. Dialogue entre diplomates, on parle de symboles. Les symboles qui vous conduisent à recevoir des dictateurs avec le tapis rouge et à honorer les bourreaux. Les symboles qui vous conduisent aujourd'hui à honorer, à légitimer et à encourager le Qatar dans sa politique indigne et inhumaine. Elle a été rappelée par mes collègues et vous le savez, les symboles comptent. Madame la Première Ministre, chaque fois que vous poursuivrez vos politiques climaticides de casse sociale et de recul démocratique, vous nous trouverez sur votre chemin combatif et déterminé. Et chaque fois que vous déciderez d'agir pour le climat et contre les inégalités, vous nous trouverez, nous les écologistes, prêts et prêtes pour voter ces avancées. Merci beaucoup. Et...